Es-tu? Et qu'est-ce que tu veux? Je veux votre vie. Ma vie m'appartient, moi! Je n'ai pas dit le contraire. J'ai juste dit que je la veux. Jeune homme, si tu sais que tu es un homme et que tu veuilles ma vie, alors laisse tomber cette arme. Et puis tu viens. Viens! Alors on le fera. On fera tel que font les hommes. Viens. Comme vous voulez. Il y a sûrement quelque chose qui ne va pas bien quelque part. Il y a sûrement quelqu'un qui en veut à ma vie. Et je dois arriver à déraciner tout ceci. Je dois arriver à trouver la personne dont il est question. Et quand j'y parviendrai, cette personne subira ma colère à un niveau où elle ne l'a jamais ressenti. Alors un homme à qui je n'ai jamais pensé. Ugh!
Qu'est-ce qui s'est passé? Cette question est destinée à toi. Tu as commencé à te tourmenter sous les lits et tu m'as fait peur. J'ai eu un cauchemar. Est-ce que c'est amusant? Donc c'est à cause de... Non, attends d'abord, s'il te plaît, attends. Bébé, le prince Chuka est ton ami et il est comme un frère pour toi. Alors il ne peut pas t'ensorceler, s'il te plaît, arrête ça, je t'en prie. Je ne saurais même pas à le supporter. Tu me fais rire. Le cauchemar paraissait si réel. Ouais, c'est ce que tu peux récolter après avoir beaucoup bu. Oui, j'avais essayé de t'empêcher de prendre l'alcool. Tu étais celui qui m'avait dit que tu étais venu pour une célébration et que tu devais aussi célébrer. Tu as raison. Oui, j'avais bu énormément. Je suis désolé. Continue à me le rappeler. Je continuerai à te rappeler à propos. Alors chérie, tu peux dormir. Je ne veux pas que tu me suives. Chike. Oui, votre majesté. Où est passé le roi? Il vient de guider les palais. Pour aller où? Je n'ai aucune idée, votre majesté. Tu n'as aucune idée? Chike, si je m'en souviens bien, tu es son garde personnel. Avant, tu partais partout avec lui, tu savais où il allait. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Votre majesté, je pense qu'il ne voulait pas que je l'accompagne aujourd'hui. Vraiment? Oh, mais qu'est-ce qu'il est en train de fabriquer? Ma princesse? Maman? Est-ce que tu as pu parler à ton père avant qu'il quitte le palais ce matin? Non. Où est-il parti? J'en sais rien. Mais il semble qu'il a quitté le palais sans son garde. Maman, ce n'est pas la première fois que papa le fasse. Ne penses-tu pas qu'il y a quelque chose de mal? Je n'ai vraiment aucune idée, c'est sûr. Maman, s'il te plaît, parle à papa. Mets-toi avec lui, à cœur ouvert. Essaie de lui demander parce que certainement il y a quelque chose qui ne va pas bien. Si papa commence à faire ainsi, nous devons nous inquiéter. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout bien. S'il te plaît, maman. Ok? Non, 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 non. Écoute, tu n'as pas à t'inquiéter. C'est une situation de gagnant à gagnant pour tout le monde. Oui, le montant dans cette affaire est vraiment élevé. Comment? Alors, salut mec, ça va? Tout le monde aura une part à gagner et on sera tous contents. Oui, c'est une très très bonne affaire. Crois-moi à tout ce que je suis en train de te dire.
D'accord, d'accord. Accorde-moi un peu de temps, je vais te rappeler. D'accord? Juste quelques minutes, je vais te rappeler. C'est qui que j'ai là? L'international Oyomoko. C'est qui que j'ai là? Okina Akwao. Mec. Mon cher ami. C'est comment, mon cher mec? Ami, content de te voir, content de te voir, content de te voir. Comment vas-tu et comment va ton ange? Elle va très bien. Comment est-ce que tu as fait? Elle va bien. Elle va bien. Tu vois un peu ce que je veux dire. Écoute, je sais, dépense mec. L'argent sur je ma sais, femme. Mec. Je dépense l'argent sur ma femme. Content de te voir, mec. Content de te voir. Je suis très content, très content, mec. Attends un peu. Je sais exactement ce que tu veux faire. Mais je n'ai pas d'humeur pour tout ça maintenant, mec. Pour de vrai. As-tu peur? Comment ça? Je peux le remarquer. Oh, s'il te plaît, je ne suis pas ici pour ça. D'accord, d'accord alors, mon cher, pas de problème. C'est comment déjà? Je suis venu te rappeler pour l'accord que nous avions passé. L'accord? Déjà oublié? Est-ce que tu me dois de l'argent? Oh, bon sang. Si tel est le cas, alors donne-le-moi. Donne-le-moi immédiatement. Je n'ai pas de temps. Ce n'est pas pour beaucoup d'argent. Est-ce que je te dois depuis longtemps? Je suis sûr que tu ne me dois pas. Ok. Alors, de quel accord parles-tu? Je suis venu te rappeler de notre accord où tu devrais m'accompagner au village pour les grands festivals d'Ofala de cette année, de mon père, ton roi. Hey, mon cher, je suis vraiment désolé. Beaucoup de choses dans ma tête. Hey, mon cher ami, désolé, hein, tu me l'avais dit. Ma tête. C'est quoi encore? Et c'est le 28. Le 28. Attends d'abord. Dans des jours? Exactement. Hey! Écoute. Ouais. Et qu'est-ce que tu veux dire? Tu vois. Ok, d'accord, alors on va aller au festival de Fala, nous allons partir. Ça c'est bien. D'accord, pas de problème, je serai là. Je serai là. Voilà, passe-moi la main. Je serai là pour toi, mon ami. Mon prince. Pas de problème, je serai là. C'est bien. Voilà que je me rappelle. Bonne nouvelle. Ok. Notre entreprise vient de gagner une récompense. Est-ce une merveilleuse nouvelle? Beaucoup d'argent. Une grande somme? Je te jure. Ah, mec, mon prince. En tout cas, je suis d'accord avec toi. Maintenant, tu veux faire quoi? Tu es vraiment mon gars. Je peux appeler. Je peux appeler comme ça. Tu es vraiment de bonne humeur maintenant. Attends que je. Maïe. Il se bat, je vais y aller. Il se passe, Béria. Votre honneur. Ne vous en faites pas votre honneur. Oh, Johnny voit plus que les esprits. Et c'est ce qui est arrivé dans ton cauchemar. Grand prêtre. Qui est derrière moi? Votre Altesse. Ne vous inquiétez pas. Cet homme masqué sera bientôt démasqué. Vous devriez plutôt vous inquiéter sur le sacrifice du festival d'Ofala. Et Jehova a besoin de plus de sang. Grand prêtre, je n'ai jamais trouvé quelque chose de mal en léguant certaines de mes responsabilités au grand Jehova. Et celle-ci ne sera pas non plus la première fois. Votre Altesse, c'est exact. Mais les temps nous empressent. Votre festival d'Ofala aura lieu dans des jours. Ce qui implique que vous n'avez que demain pour nous fournir le dé-tête pour le sacrifice. Et tu connais ce que c'est. Grand prêtre, ce soir, mes hommes vont apprêter le reste. Très bien. Et une chose de plus, ne vous inquiétez pas sur Ezemo. Ezemo a commis une bêtise grave. Je livrerai son corps à tous ces esprits qui perturbent la paix de la terre. Vous devriez plutôt vous inquiéter sur le sacrifice, alors allez les apprêter. Grand prêtre, considérez que c'est fait. Très bien, partez. Je suis déterminé que notre communauté soit déclarée libre.
ce jeune homme que vous voyez debout à ma droite. Il est patron de la nouvelle unité de sécurité de notre communauté. Je leur ai donné le pouvoir de circuler sur tout le territoire entier de notre communauté afin de chercher partout dans nos maisons, toutes maisons, toutes contrées de cette communauté jusqu'à ce que les détracteurs de toutes ces atrocités soient révélés et soient livrés à la justice. Ainsi, ce jeune homme est là pour assurer notre sécurité à notre prochain festival d'Ofala. Majesté, Qu'est-ce que c'est? J'ai une question à poser. Majesté, est-ce que tous ces gens ont été approuvés par les gouvernements? Tu es un fou. En fait, tu es sérieusement fou. Regarde-toi. Tu te crois être mon itchié dans mon royaume. Non mais regarde-toi. Tu réfléchis avec ton anus et tu évacues avec ta bouche. Je ne suis pas intéressé à ces genres de stupides questions que tu viens de poser. Je suis intéressé par ce qu'il y a dans ta tête. Laquelle tête, les bêtises de ton père, a dû prendre la partie essentielle de ton cerveau? Ah, Majesté, je suis désolé. Oh, tais-toi! Désolé à toi-même. Maintenant, cette réunion est terminée. Sortez, sortez vous tous. Allez-y! Allez-y, vous tous, allez-y, allez-y. Allez-y. Sortez! Tu poses des questions insensées. Son corps, c'est quel genre de questions que tu as? Mais je n'ai rien fait de mal. Il faut arrêter de tuer ta prochaine. Mais c'est évident, je devrais poser cette question. Igwe. Les garçons, vous êtes maintenant libres de renier sur la terre de cette communauté. Perquisitionnez des maisons. Et cherchez. Prenez ce que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez faire d'eux. Igwe. Nous sommes à votre service. Nous allons profiter de ces services. Kongoman. Igwe. Bonsoir, Votre Majesté. Est-ce que tout va bien? Est-ce une question ou un interrogatoire? Je suis ta femme. Je dois savoir. Y a-t-il quelque chose que tu es en train de me cacher? Tu peux me faire une faveur? Oh, oui, bien sûr, mon roi. J'ai besoin de rester seul. Honnêtement parlant, tu commences à me prendre la tête. Tu as quitté ce palais ce matin. Tu es parti, tu as pu conduire sans même des gardes. N'est-ce pas si étrange? Hein? Et qu'est-ce qui te donne l'autorité, l'audace de me parler de cette façon? Est-ce que je dois te rappeler que tu t'es tenu devant un souverain? Vraiment? Oh, attends d'abord là. As-tu oublié que tu es devant la reine de ces royaumes? Oh, s'il te plaît. J'essaie seulement d'être une bonne femme là. Femme, ôte-toi de ma présence avant que quelque chose de mal ne puisse t'arriver. Elodie B. Peu importe la façon dont tu vas les cacher,
bientôt cela deviendra une chose publique. Un secret polichinelle. Mon amour, tu sais que je ne suis pas habituée à ces événements traditionnels. Je sais, ce n'est juste qu'une célébration royale. Je suis sûr qu'il n'y a rien de fétiche attaché à cela, crois-moi. Ok, je vais alors continuer à y réfléchir. Bien, d'accord alors. Mais pendant que tu seras en train de réfléchir, comprends que le prince et sa femme ne seront pas contents si tu ne me permets pas de partir. Tu recommences encore. Veux-tu maintenant me faire le chantage? Ne dis pas ça, je n'essaye pas de te faire chanter. Je ne t'ai dit que la vérité. Rappelle-toi que nos familles sont amies. Hmm? Ok. Tu as gagné. J'irai avec toi. Voilà pourquoi je t'aime. Es-tu maintenant content? Puis-je maintenant dormir? Bien sûr, tu peux dormir. Ok, bonne nuit mon amour. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Je n'étais qu'en train de vérifier quelque chose. Qu'est-ce que tu vérifies? Écoute, la vérité, est-ce que tout ce que je peux voir en toi, je ne l'ai jamais vu avant. Tu n'as qu'à me croire. Tu vois comment tu me provoques, tu vois comment tu me cherches des problèmes. Je ne fais que me réjouir de mon investissement. Bébé, arrête, écoute, s'il te plaît, je vais dormir. Tu vas aimer cette partie. Allez. Ah, bébé, arrête, arrête. Ah! Combien de temps allons-nous rester ici au village? Des jours après le festival. Et puis on va rentrer en ville. Oh, génial. Je suis impatiente de voir ce festival pour la première fois. Ça sera magnifique. Oui, imagine. Ah, oui, tu voyageras avec ton ami? Fred? Oui, Fred. Bien sûr, il viendra avec nous. Oh, c'est génial. Ce sera vraiment intéressant. Je ne peux pas attendre. Moi non plus. Oui. Ça sera magnifique. Tu sais, tu as vraiment beaucoup parlé à propos de ce festival. Et finalement, je vais en être témoin. Tu vas aimer. Je sais, je vais l'adorer. Alors, lorsqu'on sera en village... Je ne sens pas bien. Où ça va aller? S'il vous plaît, où est Noma et Oju? Noma et Oju? Je ne sais pas, mais j'étais avec toi, non? Non, j'étais avec la princesse toute la journée. Où est-ce qu'elles peuvent partir? Il s'est fait déjà tard. Ça, c'est étrange. Ça ne nous est jamais arrivé. Ça me fait mal. C'est étonnant. Ok. C'est compliqué cette affaire, Rouge, te dis. Vraiment? T'as raison. Allons-y seulement, ma chérie. Ma princesse, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Parle à ta mère. Maman, la chef de servante. Noma. Et Oujou. Sont mortes, maman. Quoi? Elles ont été tuées, maman. Oh non, je suis désolée, mon amour. Je suis désolée. Je sais la douleur que tu as pour le moment. Je sais combien tu aimais Noma. Ce n'est pas parce que j'aime Noma. C'est à propos de cette méchanceté de meurtre qui s'est fait toujours avant le festival d'Ofala, maman. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas bien. Votre Majesté. Qu'est-ce que je viens d'apprendre? Papa, pourquoi il y a toujours le meurtre qui s'effondre avant le festival d'Ofala? C'est pourquoi? Comment oses-tu me poser cette question?
Je peux évaluer en quantité les efforts que je suis en train de fournir pour cette affaire dans le but d'appréhender ces gens et les livrer à la justice. Alors, papa, fais plus. Ce que tu fais n'est pas encore suffisant, ne le vois-tu pas? Les meilleures affaires pour ceux qui viennent de mourir, précisément Unoma et les ordres, c'est d'annuler ce festival. Il est clair que tu es perdu tes sens. Femme. Votre Majesté. Ramène ta fille à reprendre ses sens. Allez, ça suffit, calme-toi. Maman. Oui. Je veux rester seule. Avait un problème avec quelqu'un. Il faut, moi je suis surprise comme toi. Noma était une femme de paix. Moi j'ai peur, oh. Ça peut être l'une de nous après demain. Sans effet. Ça ne nous arrivera pas. Jamais, allons-y, s'il te plaît. Ougom, je pars chez mon ami, je reviens d'un peu de temps. Ouais, j'espère que tu fais des courses. Oui, j'ai tout apporté. Ah, ok, d'accord. Mon frère, je vis le prince sur ma route en revenant vers la maison. Attends, tu dis que t'as vu le prince? Oui, non, je l'ai vu avec son cortège juste à mon retour. Waouh, c'est merveilleux. Ça veut dire que demain avec le Fala, ça serait vraiment génial. Oui, bien sûr. Waouh, quelle bonne nouvelle. Ah, je reviendrai. Je reviendrai à l'heure. Ne traîne pas, oh. La nourriture sera bientôt prête. Non, ma sœur, je ne resterai pas longtemps. Je reviendrai. Bye bye. Pas de problème. Qui est là? Attendez. Hé, hey, ma sœur adorée. Mon amoureux de prince. Waouh, regarde-toi. Waouh. Comment vas-tu? Je vais bien, bienvenue à la maison. Tu es parfaite. Merci, toi de même. Comment s'est passé le voyage? Ah, c'était bien. Ok. Très bien. Ravie de l'entendre. Alors, comment vas-tu? C'est comment ta santé? Comment te sens-tu aujourd'hui? Tu veux dire quoi? Oui, comment te sens-tu aujourd'hui? Moi, on m'avait dit que tu ne te sentais pas bien. C'est ce qu'elle t'avait dit? Ah, et qu'est-ce qui se passe? La chef d'une des servantes et une servante étaient tuées hier. Alors, tout ne va pas très bien. Je ne peux pas faire semblant que tout va bien. Oh, c'est pas bon. C'est tragique. Alors je te promets que les gens qui sont responsables de tous ces actes doivent être appréhendés et traduits à la justice. Ok? J'espère bien. Ah, alors, viens. Viens me dire ce qui ne va pas. Ce n'est qu'un folle animal qui peut importuner un lion dans la jungle. Il est dit qu'un homme sage voit le mal d'être loin et s'en préserve. Aisez-moi. Ôte-toi de mon chemin, toi envieux, faux, déchu.
Oh, Jadili. Le proverbe qui va avec, c'est une mouche têtue suit toujours le cadavre jusque dans la tombe. Mais ça, c'est le plus dur. Le sang de l'innocent est en train d'attendre la justice. Ce n'est pas dans peu de temps. Les dieux, c'est les verrons. Vieux fou, tu ne connais rien des dieux. Quand tu vois Oja Dele, tu as déjà vu les dieux. Je suis les dieux. Oja Dili, laisse-moi te dire. Tu n'es qu'un simple petit enfant. Écoute, ce que tu penses savoir n'est rien. Kamechonoude! Garde silence, vieux fou. Laisse-moi t'avertir. Je veux te manger vif. Iwalia, Iliegi, Iliesigi. Je te rendrai des comptes. Oja Dili. Oja Dili. Je veux que tu prouves tes pouvoirs spirituels. Pour que tu te débarrasses de moi. Aisez-moi. Tu me cherches. Tu me cherches, toi, vieux fou. Rappelle-toi de comment je t'ai traité dans le passé. Ôte-toi de mon chemin avant que je ne perde mon sang-froid. Hors de mon chemin. Oja Dili, je ne te donne qu'un simple défi. Et je m'attends à ce que tu l'acceptes. Aisez-moi. Akanagini Kengbengben. Aoutalaro. Oga Otanse. Ôte-toi de mon chemin. Hey, Hokuna Momo Garawa no go de we. Hey, hey, c'est moi qui n'en a connu que me. Connais que nous sommes moi, je n'en connais que me. C'est moi qui n'en a connu que me. Je n'en connais moi, je n'en connais que me. Je n'en connais que. C'est tout ce que tu as. Oh Jadili, tu n'es qu'un petit garçon. Tu n'es qu'un lâche. Le grand homme ne s'enfuit pas. Il reste et se bat. Ce ne sont que de lâches qui s'enfuient. Montre-toi. Où es-tu? Oh Jadili, viens te battre. Tu fuis déjà? Aru, abomination. Moi, Oja Dele. Arrivez à friser moi. On y est baisé moi. Tiens. Je dois arriver à trouver où est-ce que ce pouvoir vient. Tiens. Aïe, mana gane de Jojo ma, Oja Dele kala Jojo ma, fiei, tchè, Oja Dele kala Jojo ma, tchè nyo vaja gane gono ma, tchè liwa. Maman, dis-moi pourquoi est-ce que tu aimes vivre dans la maison familiale au lieu de venir vivre ici? C'est la maison de mon mari. Eh ben, écoute maman, je sais que tu seras très confortable ici. Je ne peux pas être à l'aise n'importe où que de la maison de mon mari. Dis-leur. C'est vrai. Mais c'est la vérité, non? Faut leur dire. Mais maman, ne me dis pas que tu ne changeras pas tes pensées. Bon. Mon amour, ne te tracasse pas. Crois-moi, nous avons parlé de ça à plusieurs reprises. Nous parlons de la même chose à chaque fois. Mais jamais. Elle ne vient que quand je suis là et quand je ne suis pas là. Je me rappelle. Quand est-ce que tu rentres en ville? Après que le festival de Fall aurait eu fin, le jour suivant, nous partons. Oui. Tu veux dire, vous êtes revenu juste à cause du festival de Fall, hein? Le prince est vraiment mon ami. Je suggère que vous rentriez demain très tôt matin. Pourquoi? C'est quoi le problème? Il y a des choses terribles qui arrivent dans ces festivals de Fall. Assassinats.
kidnapping, tant d'autres choses. Je ne veux surtout pas que quelque chose vous arrive tout le déo. Hein? S'il vous plaît. Maman, s'il te plaît, comme vient de le dire, juste après le festival, nous allons rentrer. Rien ne va nous arriver. S'il vous plaît, on ne traîne pas là-bas. Une fois c'est fini, rentrez vite en ville. Je ne veux pas de problème, s'il vous plaît. Maman, ne t'inquiète pas pour ça. Mangez haut, la nourriture se refroidit. Laisse-moi manger. Je ne veux pas vous atteindre. Oh, je dois savourer cela. Hey, yo, yo. Hey. Fils. Papa, tu m'as appelé? Oui, oui, bien sûr, prends place. Ton ami, quel est son nom? Fred, papa. Fred? Est-ce que tu le connais très bien? Je le connais très bien, papa. Il est comme un frère pour moi. Vraiment? Est-ce qu'il s'était donné plaisir de venir à la fête librement ou... Non, je l'avais invité. D'abord, il avait refusé à cause de ses travaux compliqués. Alors, j'étais un peu obligé de les convaincre pour venir. C'est comme ça qu'il avait changé d'avis. Papa, je voulais savoir si tout va bien. Oh non, fils, tu sais, nous sommes la royauté. Et avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, tu dois vraiment faire attention. Nous devons savoir à qui faire confiance. Et si à qui nous ne pouvons pas et à qui nous ne pourrions pas faire confiance. D'accord, papa, ne t'en fais pas pour Fred. C'est quelqu'un de bien, vraiment. Est-ce que tu es vraiment sûr de ça? Oui, je suis sûr. Papa, je dois aller me reposer. Il n'y a pas de problème. Je dois aller me coucher. D'accord, d'accord. Thank you.
Que nous avons tant entendu. Oui, oh. C'était une belle performance par les Unuande Diamba. Bravo à leur groupe. Oui, mesdames et messieurs, je tiens à vous présenter l'homme qui est le résolu en ces jours si précis. Oh, vraiment? En image d'un modèle de l'intégrité. Il n'y a aucun comme lui. Maintenant, nous tous acclamons pour accueillir notre Sainte Majesté. Igwe Cosmos Olodibé, le numéro 1 de Umuze. Come on.
Qu'est-ce qui s'est passé? Comme quoi? Tu as quitté le palais sans signaler. J'étais allé faire quelque chose de très important. Hé, quelque chose de très important? Oui. Ce n'est pas dans tes habitudes. C'est-à-dire? Naï, désolé. Va me chercher quelque chose à manger. Qui est là? Hein, qui est là? Ah. Comment tu vas? Je vais bien. Bienvenue, monsieur. Où est ton patron? Il est à l'intérieur. Va lui dire que Onohou est ici. Ok. Et c'est vraiment urgent. D'accord, monsieur. Mmh. Ok. Il est là. Allez-y. Oh. Ah, Onohou. Ah, c'est vous. Vous êtes là. Et comment vous allez? Content de vous voir. Content en tout cas. Je vous salue, Votre Majesté. Moi, Altesse. Si vous plaît, venez dans la venez, maison. Venez, Votre Majesté. On peut en parler ici. On peut toujours en parler ici. Viens. Onohou, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi vous m'appelez Altesse? Vous l'avez dit là-bas de notre côté, puis encore ici. Parce que tu es supposé être notre roi. Moi? Oui, et j'espère que c'est ta première fois d'entendre ça. Oui, bien sûr. Oui, parce que tu étais très jeune quand ton père était mort. Donc il est probable que tu ne saches rien autour de sa mort. Ton grand-père était notre roi. Ainsi ton défunt père, le prince héritier. Et quand ton feu grand-père était mort, ton défunt père était censé lui succéder. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ubibib a dupé tout le monde avec son influence et son pouvoir. Et c'est alors que ton père a été foutu à la porte. Il n'avait personne pour défendre sa cause. J'ai été le seul à m'opposer à Ouliolibé. Mais alors il avait dû instruire à ses chiens enragés de pouvoir me tuer. Ils en voulaient à ma vie, juste à cause de ma justice. Et quand je t'avais vu au palais, j'avais vraiment senti la justice dans mon cœur. Tu as des anciens. Ainsi nous avons la tradition qui vont nous aider à bien combattre pour ta cause. Oui. Mmh. C'est moi qui t'ai dit. Oh non, je dois vérifier tout ceci. Je ne comprends rien, Votre Altesse. Qui d'autre connaît à propos de tout ça? Hé, tous ces anciens, bien sûr. Mais c'est bien la royauté qui doit me pousser à te dire la vérité. Même si je prenais Ichio qui est juste là à mes côtés, ils diront la même chose. Mais je te dis... Alors, laisse-moi te dire une chose. Si je te mens, je pense que ton mère ne te mentira pas non plus. Mais oui. Alors, laisse-moi partir. D'accord, alors... s'il vous plaît, attendez. Avant qu'on ne parte... attendez que je donne un petit rien. Prenez juste ceci pour le transport. Alors, je ne peux que te dire merci. Alors, laisse-moi très bien garder ça ici. Et là, je m'en vais déjà. Thank you.
Maman, est-ce vrai? De quoi est-ce que tu parles? Arrête de faire semblant, tu sais de quoi je parle. Je crois que vous étiez debout là depuis longtemps. Tu m'avais vu. Est-ce que c'est vrai, maman? Qu'est-ce qui arrive à mon père? Hein? Dis-le-moi, maman, qu'est-ce qui arrive à mon papa? Mais pourquoi je dis comme ça? Parle-moi, maman. Qu'est-ce qui arrive à mon père? Pourquoi est-ce que tu pleures? Maman, j'ai besoin de réponses. Pourquoi m'as-tu toujours découragé de revenir à la maison? Hein? Pourquoi as-tu choisi d'aller vivre dans une vieille maison au village plutôt que ces manoirs? Pourquoi? À chaque fois que j'ai cette idée de revenir à la maison, tu me dis de ne pas venir. Pourquoi? Et même quand j'avais parlé du festival d'Ofal, ton numéro avait changé. C'est quoi le problème? Parle-moi. Bébé, s'il te plaît, doucement avec maman, je t'en prie. Pardon, vraiment. Reste un peu loin de tout ceci. S'il te plaît, reste très loin. Maman, il me faut des réponses. Mon fils, je ne voulais pas te dire quelque chose à propos de ton père. Parce que je sais, tu allais directement réclamer le trône. Il a dit, mais t'es un homme méchant. Je ne peux pas me permettre de te perdre. Je ne peux pas permettre que quelque chose t'arrive, mon fils. Maman, peu importe, tu devais me le dire, maman. Maman, voyons. Tu me parles déjà de combien d'années? 10, 15 ans? Malgré tout, tu devais me le dire. Après tout, c'est mon droit de le savoir. Ça suffit. Qu'est-ce qu'il y a? Maman pensait que c'était juste pour ton bien. Et c'est une mère attentionnée qui peut faire tout ça pour ses enfants. Et pourquoi peux-tu me parler comme ça? Tu dois l'encourager et lui dire merci. Es-tu ivre? Hein? Non, dis-moi, as-tu fumé? Pourquoi me parles-tu de cette manière? Tu es censé être de mon côté. Avant de juger les gens, mets-toi d'abord à leur place. Et avant aussi que tu ne me juges, essaie de te mettre à ma place. Imagine un peu que mon père a été tué lorsque j'avais 17 ans. Parce qu'il était pauvre, il était censé être le roi. Mais ma maman ne me l'a jamais dit. Comment veux-tu que je me sente? Alors va la crucifier si cela va vraiment te faire plaisir. Maman pensait que cela était très bien pour toi. S'il te plaît, arrête d'aggraver certaines choses. Qu'est-ce que c'est? Tu me fais perdre mon temps. N'ose plus commettre cette bêtise. Maman, s'il te plaît, je t'en prie. Arrête de pleurer, s'il te plaît, maman. Pardonne-le, je t'en prie. Maman, mon fils, il n'arrive pas à parler. S'il te plaît, maman, ça va aller. Ne le suis pas, je t'en prie. S'il te plaît, maman. Trouve une place dans ton cœur pour... The throne of my father. Bonjour, papa. Bonjour, alors, prends place. Ah, tu me cherchais? Oh oui, oui, je t'ai appelé. Quand est-ce que ton ami va rentrer en ville? Dimitri, tout matin, y a-t-il un problème? Non, pas du tout. C'est juste que j'aurais dû lui présenter mes remerciements d'avoir participé à ma grande festival. Et par-dessus tout, tu sais que il s'était vraiment investi pour rendre son festival vraiment vif, tu vois. Ah. Hey, papa, Fred, il est trop occupé. Ça m'a pris beaucoup de temps pour le convaincre de venir avec moi. Oh, vraiment? Est-ce que ça signifie qu'il n'aime pas vraiment venir au village? Pas vraiment. Tu sais, il a ce... Il a une autre mentalité, tu sais. Il a une différente façon de voir les choses. Ok, c'est bon. Il n'y a pas de problème. C'est bon. C'est une bonne chose, d'accord. Ok, papa. Je vais rentrer dans ma chambre. Je suis vraiment fatigué. Je dois me reposer. Exactement. Tu as travaillé dur pour ça. Ah! Hey. Yo, yo. Hey. Hey, hey, yeah.
Tout acte de méchanceté a une rémunération. Ça, c'est une très belle issue, une opportunité pour moi de passer au niveau supérieur et entrer dans la cour des grands. Je dois m'en servir. Hein? Moi, Polobo. Nai, que fais-tu ici à 7h de la nuit? S'il te plaît, viens, nous allons dormir. Veux-tu te servir de mes yeux pour dormir? Hey! Je veux rester seul. Je suis en train de réfléchir. Ne peux-tu pas réfléchir, toi? Hey! N'importe quoi. Mais à quoi penses-tu? Dis-moi un peu. Femme, va dormir. Laisse-moi tranquille. Ça, c'est étonnant. Nayo, dès que tu auras sommeil, tu viendras me rejoindre dans la chambre. Aucun problème. Maintenant, j'essaye de comprendre la raison de ces cauchemars, ces forts sentiments que j'avais avant que je ne quitte la ville. Le roi m'avait identifié aussitôt que j'avais mentionné qui était mon père. Tout est relié. Je veux me battre pour ce qui m'appartient de droit. Je me battrai. Allô, mon cher. Oh, les grands Fredo. J'aimerais te voir demain matin. Il y a quelque chose d'important que j'aimerais statuer. D'accord. D'accord, c'est bon. À demain. Je suis désolé, maman. Je suis vraiment désolé. J'avais très mal réagi. Honnêtement, j'ai beaucoup réfléchi à ça et j'ai réalisé que tu avais fait ce que tu pensais être meilleur pour moi. Et c'est bon. Je t'aime énormément et tu es ma mère. Tu es la meilleure maman du monde entier. Ok, ça suffit. Tu es le meilleur fils. Celle que j'ai, c'est la meilleure maman du monde. Je sais. Ok. Laisse-moi t'accompagner pour que tu puisses te reposer. Thank you.
Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Je viens tout juste décoser avec Fred. Il ne se sent pas vraiment bien. Et c'est pour la première fois qu'il m'appelle par mon nom. Mais en t'appelant par ton nom, cela veut dire rien du tout. Bébé, mon instinct est activé psychologiquement. Ça, c'est plus qu'un appel. Ok, alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il veut qu'on se voie le matin parce qu'il a quelque chose qu'il veut qu'on discute. Et puis, il a raccroché. Sur ce point, je ne sais pas quoi dire. Le matin, tu dois te voir avec lui et savoir ce qui se passe. Tu peux finir ça? Bien sûr. Alors, détends-toi. Collins, qu'est-ce que tu disais? Réponds un peu parce que je te crois pas. Emmanuel, est-ce que je t'avais dit que c'était une pire vérité? J'étais allé au palais ce matin. Pour confronter Igwe. T'as fait quoi? Tu veux mourir prématurément? Sans effet. Ce n'est pas mon jour. Franchement, attends, sais-tu à quel point il est dangereux? Mon ami, je sais. Je sais combien des fois il est des bébés dangereux. Et je sais aussi que il a une main noire sur les morts et les atrocités dans ce royaume. Mais il est temps qu'il soit exposé. Ah, mon ami, je comprends ce que tu ressens. Mais tu t'entraînes sur un trou très dangereux. Je comprends le fait que tu viens juste de perdre ton frère, mais tu dois être prudent. Mon cher, je fais attention. Je fais vraiment attention. Mais je n'ai pas peur du roi Ilodibé. Et je sais aussi que rien ne va m'arriver. Arrête de te déranger, ça va aller. Merci mon cher ami. Je te vois après. Ouais, si tu le dis à la prochaine. Attends, je vais te tuer. Je vais te tuer. Attends, pourquoi? Tu m'en veux pourquoi? Laisse-moi libre. Attends, je vais te tuer. Laisse-moi tranquille. Pourquoi tu m'en veux? Arrête-moi là. Attends, mais tu penses que tu as la force de te battre avec moi? Hein? Tu penses que tu as la force? Je vais te tuer aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je vais te tuer. Tu te permets de me défier. Je vais te battre. Je vais te combattre. Tu ne feras plus rien. Qu'est-ce que tu pensais? Tu ne feras rien. Attends. Je vais te tuer. Attends. Tu verras ce que je te ferai. Tu ne feras rien. Attends. Je vais te frapper. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire rien. C'est quoi tout ça? Tu vas faire rien. Arrête les moteurs. Doucement. Vas-y. Descends doucement. Descends doucement de la voiture. Avance. Allons-y doucement. Doucement. Ok. Allons-y. Pas de gestes brusques, ok? On y va.
Hein, qu'est-ce qu'on fait ici? Beaucoup d'années passées, nous nous étions rencontrés. Il y a des gens qui voulaient m'attaquer. Tu étais venu et tu m'avais sauvé. Et après ça, nous sommes devenus de bons amis. J'avais d'ailleurs découvert que tu étais le prince de mon royaume. Depuis là, nous avons formé une grande amitié qui a duré certainement depuis longtemps. Mais quelque chose se passe. Et cela pourrait certainement détruire l'amitié que nous avons battue. Je ne sais pas exactement ce que tu veux dire, mais en ce qui me concerne, tu restes mon frère et mon meilleur ami. Que j'aille droit au but. Quelque chose s'était passé. Et les pas que nous allons prendre dépendent de la décision que nous allons prendre ici et maintenant. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que ton père t'a déjà dit comment il est devenu roi? Ok, il avait dit que le roi était mort et il a été choisi pour le succéder. Oui. C'est tout ce qu'il t'a dit? Fred, honnêtement, si tu ne me dis pas ce qui te dérange tout de suite, je vais mettre fin à cette conversation. Je suis venu avec toi ici parce que beaucoup d'années passées, une injustice a été commise ici. Et pour corriger cette injustice, quelque chose doit aussi être fait, juste ici, sur ces sols. Mon père était censé être le roi, mais ton père avait tué mon père, puis il avait pris son trône. Maintenant, je suis revenu pour reprendre ce qui m'appartient de droit. Je sais que ton père ne voudra pas partir sans une bataille. Et je suis prêt pour cette bataille. Alors je vais te demander, est-ce que tu t'es rallié avec moi comme ami ou est-ce que tu es du côté de ton père? Tu es malade. Tu es malade dans ta tête. My throne and my betrayal, the leadership of my people, the sacredness of tradition, for the peace of my people,
for equity and justice. I will fight for the throne of my father. The throne of my father. I will fight. Hey. I will fight for my birthright. Hey. I will fight. Et toi, ne t'arrête pas là, avance-moi ton cul. Igwe. Igwe. Tu devas Igwe, ne t'inquiète pas. Donc tous ces brigands viennent de toi. La seule et l'unique raison qui fait en sorte que je ne te coupe pas la langue, c'est parce que tu vas l'utiliser pour répondre à cette question. Parce que quand tu étais entré dans mon palais pour m'insulter, je savais que tu n'agissais pas seul. Tu as bien des gens derrière toi. Maintenant, dis-moi, avec qui organises-tu ces complots? Et quels sont leurs noms? L'un d'eux est derrière moi. Non, mais attends. Non, mais... Tu sais quoi, petit garçon? Il y a beaucoup de ceux qui vivent cette vie sans opérer le choix du jour où ils quitteront cette terre. Mais il y a d'autres qui foncent. Ces choix à leur place. Ils ne les savent surtout pas parce qu'ils se sont emportés dans une affaire qui ne les concernait absolument pas. Une affaire dont ils connaissent ni tête ni queue. Je te pose cette question pour la dernière fois. Dis-moi, qui sont tes co-conspirateurs et quels sont leurs noms? Je n'arrive pas à savoir pourquoi les dieux ont dû donner la couronne à un homme méchant comme toi, d'être roi. Vas-y, dis-moi. Mais sache une chose, tu ne vas pas t'en tirer facilement. En méchant. Roi, c'est ça ta nature. Congo, Igwe, tue-moi cet homme. Inflige à sa vie de la douleur et fais-le bien. J'ai un problème important, une adresse importante à faire. Igwe. Un démon, tu es un méchant. Hey, tais-toi. Ces problèmes se terminent par là. On n'a plus le temps à perdre. Allons-y. Bonjour maman. Comment tu vas? Je vais bien, merci maman. Comment s'est passée ta nuit? Très bien, oh. Mais où est passé ton mari depuis le matin? Je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas, maman. Il est sorti très tôt matin sans pour autant me dire où il est parti. Maman, que penses-tu qu'il peut faire? Je n'ai aucune idée. Mais je pense que il va aller se battre pour le trône. Et c'est ce qui me fait peur. Maman, t'inquiète, ok? Dès qu'il va rentrer, je lui dirai de ne pas provoquer le chien qui dort. Hein? S'il te plaît, fais Léo. Parle avec lui. Parce que ce roi est vraiment méchant. Cet homme est capable de faire n'importe quoi. Maman, je m'occuperai de lui. T'inquiète, tout va très bien aller, ok? S'il te plaît, allons à l'intérieur. Hey,
throne of my fathers, my throne and my betrayal, the leadership of my people, the sacredness of tradition, hey, for the peace of my people, for equity and justice, I will fight for the throne of my father, the throne of my father, I will fight. Hey, I will fight for my birthright. Hey, I will fight. The throne of my father. Bébé, bonjour. Bonjour, comment s'est passée la nuit? Il n'y avait pas de nuit. Tu as dit qu'on s'était chamaillé. J'ai passé toute la nuit en train d'y penser. Je suis désolé, je l'avais déjà dit. J'étais à l'au-delà de la limite. Je suis désolé. C'est bon. Je te pardonnerai le jour où nous arriverons en ville. Tu vas me le rappeler, n'est-ce pas? Bien. Oh, regarde comment se passent les choses. C'est très clair que nous n'allons plus aussitôt rentrer. Je crois que tu sais pourquoi. Oui, je comprends. Alors, qu'est-ce que tu penses faire? Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour réclamer mon trône. Chérie, tu n'étais pas destiné à être roi, mais un faiseur de roi. Oui, un roi est seulement influent ici au village, mais ton influence est là-bas en ville. S'il te plaît, ne me dis pas que tu cherches à te battre pour le trône. Et encore, bébé, le prince Chouz est comme un frère pour toi. Alors dis-moi, comment est-ce qu'il va se sentir s'il apprenait que tu veux battre son père pour le trône? S'il te plaît. Rentrons. Ça ne concerne pas le trône. Ça concerne la justice. For the peace of my people, for equity and justice, I will fight for the throne of my father, the throne of my father, I will fight, hey, I will fight for my birthright, hey, I will fight. Bonjour, Votre Altesse. Oh non, Votre Altesse. Qu'est-ce qu'il y a qui n'a jamais de fin? Votre Altesse, il y a un problème. Prends place. Merci, Votre Altesse. Alors, quel est le problème? Le jeune homme qui était venu avec votre fils à notre festival a dû inviter tous les anciens dans son palais ce soir. Quoi? Oui. Es-tu sûr de ce que tu dis? Votre Altesse, j'en suis sûr. Je suis un ancien, n'est-ce pas? Et j'ai reçu une invitation. Vous savez de quoi il s'agit? Oh non! Votre Altesse. Nous avons un problème entre nos mains. Lequel? Ce jeune homme. Et le fils est du défunt roi de ce royaume. Oh, Kogouema, roi. Quoi? Alors garde ça pour toi. Quoi? Oh non, où? Votre Altesse. Va à cette réunion. Ok. Va écouter ce qu'il a à dire. Et reviens ici avec ce propos. Considérez que ce fait, je vais y aller. Tchiii. Hé, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. En fait, nous aurons un problème. J'ai croisé mon ami. Il a parlé de beaucoup de choses.
Et qu'est-ce qu'il a dit? Père, il a dit que toi, tu as tué son père juste pour prendre le trône. Et il revient pour prendre le trône. Je t'avais posé des questions lui concernant. Et tu m'avais répondu en me disant que c'est un très bon garçon. N'est-ce pas toi? Père, as-tu tué son père? Non. Non, ce n'est pas vrai. Ok, il est vrai que son père devrait être le roi de ce grand royaume, mais le peuple ne voulait pas de lui. Vois ça, le peuple ne voulait pas de lui. Il était pauvre, moins instruit, il n'en avait en fait rien à faire. Et le peuple m'avait choisi moi, à sa place. Fils, en quoi est-ce que c'est ma faute? Je le savais. Je savais que Fred, c'est un grand serpent dans un grand trou. Père, laisse-les moi, je vais m'en occuper. Fils, cette bataille est plus grande que toi. Père, la bataille n'est pas plus grande que moi. Il n'y a aucune bataille qui est plus grande que moi. Je vais régler. Fils, prends ta femme, rentre en ville et laisse Fred ici, compris? Père, non! Je n'irai nulle part. Je n'irai nulle part jusqu'à ce que la bataille sera finie. Je n'irai pas. Fred ne vient pas seulement pour prendre le trône, mais il vient pour prendre ma position comme le grand prince de ce royaume. Hey, je ne permettrai qu'une telle chose m'arrive. Je ne le permettrai jamais. Je me battrai jusqu'aux dernières gouttes de mon sang. Je veux le faire. Le fils d'un lion est un lion. Donc, nous nous battrons avec toute la colère. Longue vie au roi. Votre Majesté, mes gars répondent rapidement à mes ordres, Votre Majesté. Oui, Votre Majesté. Mes anciens, je vous salue tous. Oui, sois le bienvenu. Premièrement, je vais vous remercier pour cet honneur. J'ai vraiment apprécié. Je vais aller droit au but. J'avais 17 ans lorsque mon père était mort. Bien que c'était ça, je connais quand même comment ça s'était passé. Et à ces temps-là, je connaissais la tradition et même jusqu'à aujourd'hui. Mon grand-père était roi à une certaine période. Ensuite, il passa. Et mon père était censé prendre sa place. Mais mon père était pauvre. Il n'avait pas assez de moyens pour, vous savez, faire ce qu'il était censé faire à ces temps-là. Chief Ilodibé s'était intéressé au trône. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous dire qu'il est temps pour que cette injustice soit corrigée. Il est temps pour ce qui me revient de droit, mais soit remis. Alors s'il vous plaît, mes anciens, s'il faut que nous fassions quelque chose, la tradition, la culture, peu importe ce que c'est, je viens vous supplier que cela s'efface afin que mon trône me revienne. Merci. The throne of my fathers, my throne and my betrayal, the leadership of my people, the sacredness of traditions. For the peace of my people, for equity and justice, I will fight for the throne of my father, the throne of my father. I will fight, hey, I will
fight for my bed right now. Hey. I will fight. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu voir ton père Chifilo Dibé. Pars! Ne reviens jamais ici. Ok, écoute-moi. Ceci ne te concerne pas, d'accord? Nous sommes des amis depuis très bien longtemps. Nous ne devons pas briser notre amitié. Pas du tout. On n'est plus amis. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vous salue, Chief Cosmas Ilodibé. Comment est-ce que tu as appelé les rois? C'est ton roi! C'est d'accord, fils. C'est bon, apaise-toi. Tu as l'audacité de venir ici dans mon palais pour m'insulter. Je ne suis pas venu ici pour vous insulter, Chief Ilodibé. Plutôt pour vous dire la vérité. Le trône sur lequel vous êtes assis ne vous appartient pas. C'est bien mon trône. Et vous avez 7 jours pour libérer ce trône. Pendant que je vais m'autoproclamer roi. Et tu sais qu'il ne peut y avoir 2 rois que plutôt un seul. Écoute garçon. Tu t'es tenu sur un sol très dangereux. Ne commence pas ce que tu ne peux pas finir. Je l'ai déjà commencé, Chief. Et j'en finirai certainement. Ce que vous venez de dire, je l'ai à plusieurs reprises entendu dans ce que je fais. Et j'ai toujours tenu. Vous avez 7 jours. Va-t'en et ne reviens jamais. Je m'en vais. Ne reviens plus jamais ici. Tu es averti. Bébé, qu'est-ce qui se passe? Tout ça s'est passé avant toi. Fred et sa femme sont maintenant nos ennemis. Quoi? Quoi de quoi? Quoi? J'ai dit Fred et sa femme sont maintenant nos ennemis. Alors coupe tous les liens avec eux. Bébé, s'il te plaît, dis-moi. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas au juste? Comme tu peux le voir, je ne suis pas de bonne humeur. S'il te plaît, ne rends pas les choses très difficiles. S'il te plaît. Je ne peux pas être un ennemi avec Bella pour une raison non valable. Je comprends que Fred avait manqué du respect à ton père dans la manière dont il l'avait traité. Mais la question est, pourquoi? Qu'est-ce qui lui donne l'audace de venir défier ses trônes? Tu es malade! Occupe-toi de tes affaires. Arrête de parler ce qui ne te concerne pas. Occupe-toi de tes affaires. Tu m'as giflé? Et ne me pousse pas de les faire encore. Ne me pousse pas. Es-tu sourde? J'ai dit laisse-moi tranquille. Je ne te laisserai pas tranquille. Jusqu'à ce que tu me dises qu'est-ce qui se passe au juste. Je suis ta femme, je te rappelle, et la reine de ce royaume. Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Femme, j'en ai assez entendu de toi. Sors de ma chambre! Je n'irai nulle part jusqu'à ce que tu vas répondre à ma question. Je posais une simple question qui demande la réponse. Alors donne-moi la réponse et je partirai. Pourquoi ce petit garçon est venu te réclamer le trône? Es-tu assis sur le trône de quelqu'un d'autre? Tu es en train de m'énerver.
Tu es en train de m'énerver. Je demande de sortir de ma chambre. Sors. Non, je n'irai nulle part. Jusqu'à ce que tu me donneras la réponse. Rappelle-toi que je suis aussi concerné dans cette affaire. Alors réponds-moi. Qu'est-ce que c'est? Tu veux connaître la vérité? Très bien. Ok. Sors de ma chambre. Sors. Ok, monsieur. Okay. Sors, okay. Va-t'en. Je te l'avais dit, mais tu t'étais entêté. Père, c'est le moment de se préparer. Je ne vais pas être écarté pour ça, s'il te plaît. Je vais me battre moi-même. Dis à tes gardes de s'écarter. Ok? Non. Je ne veux pas que quelque chose t'arrive, s'il te plaît. Hein? Non, 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 fils. Non, non, non. Non. Si tes hommes doivent venir ici, demande-leur de baisser les armes. Tu m'entends? Je ne veux pas que la police s'imprègne de cette affaire. Nous devons agir avec beaucoup d'attention. Ton ami a l'air de s'être bien préparé. Papa, s'il te plaît, ne les maçonne plus comme mon ami. Il est maintenant mon pire ennemi. Oui. Et si tu devrais m'écouter, qu'on en finisse avec lui, une fois pour toutes. Non, non, non. Non. Si nous le faisons maintenant, nous serons parmi les premiers suspects. Nous devons gérer ce garçon avec beaucoup d'attention. Et surtout, étudier de quoi est-ce qu'il est capable. Je pense que tu as raison. Demain, toi et moi, irons voir Oja Adeli ensemble. C'est qui Oja Adeli? Il est pour moi un voyant. Nous devons aller le consulter. Au cas où cette guerre devenait spirituelle. J'arrive. Myriam. Qui t'a fait ça? C'est le prince, il m'a giflé. S'il te plaît, viens. Viens t'asseoir. S'il te plaît, prends place. Prends place. Tu veux dire que c'est mon frère qui t'a fait ça? Pourquoi? Il m'a dit de ne plus s'éloigner de Fred et sa femme. Bella est ma meilleure amie. Quand j'essaie de me plaindre, voilà, il m'a giflé. Myriam. Écoute-moi très bien, Myriam. J'aimerais te parler comme ta sœur. Si tu sais ce qui est bien pour toi,
Tu n'as qu'à fuir ce mariage. Tant que tu peux encore bien le faire, tant que c'est encore tôt, personne ne te sauvera. Quoi? Princesse, Bella est ma meilleure amie. C'est tout ce que je peux te dire pour le moment. Vas-y et pense-y. Myriam, s'il te plaît, que mon frère n'apprenne pas ce que je t'ai dit. Ne le lui dis pas, s'il te plaît. Si tu le fais, ça sera tes paroles contre les miennes. Elle est passée par où? Elle est passée par où? Attrape-la! Viens ici! Viens ici, vite! Mon Dieu. Et vraiment, tu veux fuir comme ça? Tu veux fuir comme ça? Oui, hein? On la tient. Tu penses que c'est facile de nous échapper? On la tient. Tu penses que tu sais facile? D'accord, avance avec elle. Ferme ta bouche. S'il vous plaît. Avance, vas-y. S'il vous plaît, avance. S'il vous plaît, je vous en supplie. Steve, Steve, viens avec moi, s'il te plaît. Oui, vas-y, monte. Ago, viens. Où est-ce que mon fils a dit qu'il allait? Maman, je ne sais pas. Il ne m'a rien dit. Il a juste sorti comme ça. Ah, je suis surpris. Hey. Mais comment peut-il m'enfermer ici?
Viens, viens, viens ici. Viens ici, viens, viens. Approche, approche. Debout, marche. Assieds-toi. Debout, marche. Par terre, je dis par terre. S'il vous plaît. Je vous en supplie, s'il vous plaît. Pitié, pitié. Désolé. Oh, tu pensais t'enfuir? Sérieusement, essaye pour voir, espèce d'imbécile. Idiote. Ce n'est pas toi que j'avais vu traverser la route, n'est-ce pas? Non. Aujourd'hui, tu vas mourir ici. Non, non, s'il vous plaît, je vous en prie, pardon, laissez-moi, je vous en prie. Les gars, boss, prenez-la à l'intérieur, on va s'amuser. Lève-toi. Une vérité finit toujours par éclater au grand jour. Quand tu penses détenir le monopole, c'est alors que naît un héros qui revient certainement remettre tout en ordre. Ne te considère pas comme étant le plus fort de la planète ou peut-être le plus fort même de ton royaume. Hein? Vois-tu maintenant comment un simple enfant est venu te défier? Les dieux de notre terre, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir ramené le prince héritier à ce trône. Je vous remercie d'avoir fait de moi, de ne pas paraître stupide devant le roi et toute la communauté. Vous l'avez fait, et je sais que vous allez continuer à le faire. Je crois que je suis heureux. Aujourd'hui, ma joie est une joie qui ne pourra jamais tarir. Hey! Boss, ça c'est mon gars. Boss. Je sais que tu peux tuer sans faire de bruit. Oui, boss. Qu'est-ce qu'il y a? J'espère qu'elle respire encore. Oui, boss, elle respire toujours. Parce que nous la voulons vivante pour la seconde mission. Direct, non? Hein? Merci, boss. Vous êtes bien amusé. Oui, boss. Père, je suis parti, je reviens bientôt. Es-tu sûr qu'il n'en est pas au courant? Ce n'est pas un problème qu'il soit au courant ou pas. Je n'ai même pas le temps de lui donner de l'espace. Il a le moyen qu'il faut. Tu as bien fait, mon fils. Tu dois faire tout de ton pouvoir pour protéger ce trône. Oui, père. Je dois partir maintenant. D'accord. Bonjour, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Papa. Papa, as-tu la main mise sur l'enlèvement de la femme de Fred? Quel genre de question stupide est-ce que c'est? Papa, Fred vient d'être ici, ça fait 20 minutes. Il a promis de faire tomber cette maison si quelque chose arrive à sa femme. Papa, il a un groupe de gangs. Donc, c'est idiot. Allez, culot, de venir dans mon palais pour m'importuner. Mais papa, il voulait juste... Oh, bon sang, quoi qu'il arrive à sa femme, sa disparition, son kidnapping, ça ne me concerne rien. Il n'a aucun droit de venir dans mon palais pour me juger.
Mais papa... Lord. Ouais. Vérifie de ce côté-là. Non, c'est bon. Le prince est là. Voilà mon gars. Mon prince. Comment vas-tu? Ça roule. Et comment est-ce qu'on procède? Ton mari t'a mis dans cet état. Tu vois? Allô, papa. Quoi? Ne t'inquiète pas, papa. Je sais quoi faire. Y a-t-il un problème, mon prince? La mère a disparu au palais. Quoi? Il y a de cela quelques minutes. Vous devez la ramener dans sa maison. Avec une note d'avertissement. Ok? Oui, mon prince. Mon cher. Les mecs, allez. Débarrassez-vous de ces colis, mec. Eh mon Dieu! Hey! Ago, qu'est-ce qu'il y a? Patron! Ago, qu'est-ce qu'il y a? Hey! Quoi? Patron! Patron! Patron, madame! Ma femme? Hey! Qu'est-ce qu'elle a fait? Madame, qu'est-ce que madame a fait? Hein? Qu'est-ce qu'il y a au juste? Qu'est-ce que madame a fait? Oh, je n'arrive même plus à marcher. Hey! 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 Hein? Hey! Hey! C'est hey! Hey! Hein? Espérons que tout va bien. Hey! Hey, Bella, Bella, No! Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de mal? Qu'est-ce que j'ai offensé? Qu'est-ce que je vais faire? Qui m'a fait ça? Qui est-ce que j'ai offensé? Qui m'a fait ça? Papa, hein? Je ne vais plus commencer à beaucoup venir à la maison. Pourquoi? Les gens vont commencer à me suspecter. Ils ne vont pas te suspecter. Tu es ma fille. Et ça, c'est ta maison. Ah, ah. Alors, c'est quoi le problème? Toutefois, Fred était au palais aujourd'hui. Ok. Il a dit que sa femme a été kidnappée. Okokoyi Bagua. Kidnappée? À son arrivée, le prince et le roi n'étaient pas présents. Et il avait dit à la princesse, si quelque chose de mal arrive à sa femme, il fera tomber le palais. Oh, Gigogo. Ok, tu as très bien fait. Hein?
puise encore plus d'informations pour me les transmettre. Papa, moi je ne vais plus le faire. Je me sens plus confortable avec ça. S'il te plaît, je refuse. Mais qu'est-ce que tu racontes? Hein? Moi qui suis au Nohou, rien ne va t'arriver. Tu comprends? Pas de problème. Je vais déjà partir avant qu'on ne puisse me chercher là-bas au palais. Sois prudente. Papa, rappelle-toi où. Tu dois me payer pour toutes ces informations. Toi, tu es ma fille, non? Hein? Hey, papa, c'est la vérité, oh, s'il te plaît. On chouanye, wom. Hey, hey, hey. Alors, je vais en profiter. Tu es vraiment un homme très méchant. Tu es vraiment méchant. Comment peux-tu oser m'enfermer dans cette maison? Hein? S'il te plaît, je ne suis pas vraiment d'humeur. Ok? Laisse-moi me reposer, s'il te plaît. Hein? Si tu veux, reste avec ta mauvaise humeur. Je m'en fiche. Tout ce que je veux, c'est quitter cette maison. J'en ai marre. Je vais me reposer. Hein? Je ne vais plus écouter tes bêtises. Je vais te faire du mal. Arrête de dire n'importe quoi. Tu vas rien me faire. Tu ne peux rien me faire. Es-tu malade? Comment tu... Ah! Comment oses-tu? Es-tu normal? Viviane. Bébé. Viviane. Bébé. Aidez-moi. Maman. Papa. Mon amour, nous allons vivre pendant un très long moment et impacter de vie comme nous le désirons. Amen. Amen. Et je promets de te protéger jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Me protéger? Mm-hmm. Mais il n'y aura pas de guerre. Oh, Dieu va nous protéger. Ah, ah, Nemo, où est-ce que tu as eu ces pistolets? Hein? Tu vois, les confrontations ne font que causer du tort. J'ai déjà perdu ma belle-fille, s'il te plaît, je ne veux pas te perdre. Tu es mon seul fils, je ne veux pas te perdre. Maman, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Je devais d'abord penser à la sortir de ce village en premier lieu. Écoute, ce n'est pas vraiment le temps de te donner la peine. Te blâmer ne sauvera pas les choses, hein? Ça ne peut rien faire du tout, Nemo. Tu ne comprends pas, maman. Tu ne vas pas comprendre, maman. Elle ne voulait pas qu'on vienne ici dans ces villages. Mon fils, calme-toi. Hein? Calme-toi, mon fils. Ça suffit, hein? Ça va aller. Calme-toi, hein? Calme-toi, s'il te plaît. Essaie juste de respirer, hein? Oui, vas-y, respire un peu, hein? Écoute, s'il te plaît, essaie juste d'être fort pour toi-même. Parce que ce qui est arrivé est arrivé. S'il te plaît, calme-toi. Tu veux aussi mourir? S'il te plaît, essaie de respirer. Hein? Je suis sûre que ça mais va ça aller. Mais ça ne devait pas arriver en premier lieu. Ça ne devait pas arriver.
Ichi okeke. Oh non. Nous avons un problème délicat. Entre nos mains. Oui, je sais. La question c'est comment faire pour retourner à la tradition. Parce que nous avions fait des choses contre celle-ci en permettant Silas de devenir notre roi. Bah non. Je pense qu'on a l'opportunité d'une fenêtre ouverte qu'on pourrait sortir. Mmh. Ouais. Et je t'écoute, je suis tout ouïe. Il y avait une rumeur qui circulait. Ok. Que le défunt Igwe Uzoma, il n'était pas probablement le père biologique de ces Silas. Oh, coquet Kada. Hé, hey, mon cher, je te dis vrai. Hein? Mais la rumeur s'était facilement envolée. Ok. Parce qu'il n'y avait rien effectivement pour le faire maintenir. Très bien. Mais ces derniers temps. Ok. On va ressusciter cette rumeur. Oui. On va manigasser la situation. À notre faveur. Ok, que tu as vraiment raison. Mm. C'est exactement ce que nous allons faire. Il est en bas. On ne peut pas. Un pauvre ne peut pas être notre roi. Qu'est-ce qu'il a? Rien du tout. Il tient les deux. Hein? Jamais. Tu as vraiment raison. Quoi de? Tu as vraiment raison. Oh. Mes honorables anciens. Oh non. J'ai convoqué cette réunion pour que nous discutions ensemble sur comment enterrer notre roi en conformité avec notre très grande tradition et discuter sur comment couronner notre prochain roi. Onou? Ichi Okafo. J'ai une question. Allez-y. Pourquoi est-ce que Silas ne prend pas part à cette réunion? Au regard de ce que je connais, et par rapport à la tradition, il est celui qui est censé devenir notre roi. Oh. Alors pourquoi est-ce qu'il ne participe pas à cette réunion très importante? Et aussi, qu'est-ce que Chief Ilodibé fait ici? Ichi Okafo, je comprends pas ce que tu veux dire. Silas ne peut pas devenir notre prochain roi si tu ne le savais pas, sache-le maintenant. Ilodibé ici, c'est l'homme qu'il nous faut. Tu dois le savoir maintenant. Ichi Okeke, c'est une blague qui va très très loin. Tu l'appelles une blague? Oui, c'est une blague qui va très très loin. Comment peux-tu me dire que Chief Ilodibé, qui ne vient de nulle part, qu'il devienne notre roi, pendant que nous avons un prince héritier à ses trônes? Parce que Silas n'est pas le fils biologique de notre défunt roi Ozioma. Dis-le-lui. Tu as écouté? Tu as écouté? C'est une grande honte. C'est une très très grande honte. Croyez-vous vraiment que ce que vous dites est juste? Un bébé serpent ne peut pas aller s'exposer dans un marché lorsque les vieilles femmes sont là. C'est une grande honte que vous tous qui êtes censés vous tenir à côté de la vérité. Vous avez tous vendu vos âmes au diable. C'est une grande honte. Ichi Okafo, qu'est-ce que tu as voulu dire par l'intervention que tu viens de faire? Hein? Bien. Tu nous insultes, Onou. Je ne peux pas faire partie à cette réunion. Ne me comptez pas à cet accord secret. Je ne suis pas là. Je ne peux jamais soutenir le mal. Nous n'avons même pas besoin de quelqu'un comme toi ici. C'est quoi ça? Est-ce que vous voyez comment il se permet de nous insulter? Ne t'occupe pas de lui. Il s'est plein pour que je dis. Laissez-les partir. Oh non, hein? Mes anciens. Et tu es? Pour l'acte que vous avez posé aujourd'hui, je vais vous surprendre. Attendez alors. Ouais. Oui, nous attendons. Ne bougez pas. Ne t'occupe pas de ces deux. Vous verrez. Je vais vous faire une surprise. Okafo, c'est pas pour qui, hein? Pendant que je suis là, qui peut parler d'Okafo? Qui est Okafo? Regarde-moi ça. Okafo, c'est qui? Du n'importe quoi. En fait, comment va un petit peu? Oui, vas-y. Vivons d'abord. Tiens! Non, ça, on peut pas l'accepter. Non, mais je l'ai présenté.
Regarde, regarde ce qu'il a amené. Je l'ai toujours dit. Oh non, c'est 20 millions. Ah, vas-y, hey, vas-y. Ça, c'est un de la c'est un boss. Voilà. C'est pas vrai, ça. Merci beaucoup. J'ai parlé de la bonne de l'argent. C'est toi le roi de notre loi. Tu le sauras. Je vous dis d'où est-ce que ça vient. Il y en a encore beaucoup. Il y en a beaucoup trop. Ce que je vous dis est vrai. Je vous salue, mon prince. Mazokafa, je te salue. Mon prince, je reviens tout juste chez vous, où je ne vous ai pas trouvé. Est-ce que tout va bien? Mon prince, rien ne va bien. Rien ne va bien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, Mazé Ilodibé, il planifie d'être le prochain roi. Et il complote avec le reste des anciens. Es-tu sûr de ce que tu dis? Mais c'est quoi cette question? Est-ce que je peux vous mentir? Écoutez, je les ai d'ailleurs quittés en colère où ils étaient en train de planifier l'enterrement de votre père sans que vous ne les sachiez. Ça ne va pas arriver. Mbam. Je ne vais pas le permettre. Mm-hmm, je vous écoute-moi bien, Mazuka. Je vais me battre pour ce qui me revient de droit. Mm-hmm. Jusqu'au dernier goutte de mon sang. Mm-hmm. Je le ferai. Bien, écoutez-vous, vous devez les faire, oh. Mon prince, vous devez vous battre, oh. Et ça pour vos droits. Battez-vous pour vos droits, oh. Écoutez, je suis totalement derrière vous. Nous n'allons pas permettre à ces personnes mauvaises de détruire notre tradition. Ça ne va pas arriver. Oui. Ça ne va pas arriver. Mazuka, merci beaucoup de me l'avoir informé. Je suis vraiment reconnaissant. Je peux partir. Merci beaucoup. Que je parte. Très bien. Je suis toujours énervé contre ces personnes et leur stupidité. Merci beaucoup. Merci, d'accord. Je suis curieux de savoir pourquoi est-ce que tu es venu. J'ai déjà été clair avec ma décision. Je ne pourrai rien faire de mal qui puisse détruire la tradition. Je ne peux soutenir le mal. Je ne pourrai jamais soutenir le mal. Okafo. Okafo Wanem. Il est très malheureux que tu perçoives les choses sous cette perspective. Pour arriver à crier comme ça. Ça, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à notre famille. Au cas où, pourquoi ne pas me soutenir? Tu vois, je t'en supplie. Écoute, hein, je ne vais pas m'énerver. Si tu n'as rien d'important à me dire maintenant, vas-y, sors de ma parcelle. S'il te plaît. Je ne veux aucun problème. S'il te plaît. Je sais que ces problèmes n'est question que d'argent. Je sais que tu as beaucoup de responsabilités financières. Des responsabilités urgentes qui nécessitent de l'argent. Et moi, ton frère, j'ai de l'argent. Regarde, je suis au courant de toutes tes dettes immenses dans tout ce royaume. Alors dis-moi, de combien d'argent as-tu besoin? Écoute, laisse-moi te dire. Tu sais, tu n'as pas besoin de dire autre chose. Dis-moi le montant. C'est juste le montant. Mais tu me connais assez bien, non? Non, mais tu me connais très très bien. Tu sais, de toute ma vie, je n'ai jamais reçu ou accepté un quelconque prix. Et je ne le ferai jamais. Je ne suis pas prêt à le faire maintenant, ni moins encore le faire dans le futur. Tu vois, ce trône, il appartient à Silas, et point final. Tu vois, avant que tu ne viennes, j'étais occupé à l'arrière. Je dois aller continuer ce que je faisais. Tu vois, dès que tu auras fini, tu pourras partir. N'importe quoi.
Mon prince, ça c'est une visite de surprise. Arrête de m'appeler prince, parce que tu ne me reconnais pas en tant que tel. Hein? Mais de quoi parlez-vous? J'ai connu ce que vous essayez de faire. Vous voulez couronner Ilodibé comme le roi, le prochain roi de ce royaume. Comment peux-tu faire cela? Toi et tes anciens associés avez eu le courage. J'ai découvert que vous avez enterré mon père derrière mon dos. C'est une honte. Prince, s'il vous plaît, entrons. Entrons, on va discuter. Hein? Je ne suis pas là pour ton hospitalité ou quelque chose comme ça. Je suis ici pour te dire que je connais ce que vous planifiez. Et ça ne va pas marcher. Hein? Votre Altesse. Oh. Oui, Votre Altesse. Votre Altesse. Ilodibé, tu es prendre ce qui m'appartient. Ce n'est pas possible. Votre Altesse. Je ne vais absolument rien prendre de ce qui vous appartient. Et je suis. Écoute-moi juste... bien. Écoute-moi juste. Je me suis préparé. Je suis prêt pour défendre le trône de mon père. Jusqu'à mon dernier soufflet. Votre Altesse, là n'est pas la question ou le niveau auquel vous l'amenez, hein? C'est ça même la question. Quoi que tu planifies, avec les anciens, vous allez jouer. Ça ne va pas marcher. Mazekoulé, bienvenue dans ma maison. Merci. Voici les noix de cola. Commençons par parler et le reste viendra après. Les colas font attendre. Ina Makanjowa, Nye Nya Serenge Nya, Ilodibé. Quand deux éléphants sont en train de se battre, hélas, les autres souffrent. Je ne suis pas en guerre contre Ilodibé. Lorsque la guerre commencera, nous le saurons. Écoute, attends. Lorsque la guerre commencera, ce sera entre Ilodibé et les dieux. Yeah. La tradition est tellement claire. À propos de celui qui va succéder, les Igwe. Ok. C'est tellement clair. Sur ce point-là. Ce que je veux, c'est la paix. Il y aura la paix lorsque les anciens seront d'accord. À propos de celui qui va succéder, le Igwe. C'est tellement clair. Ok. Ah. Y a pas de problème. On a fini d'y parler. Écoute, quitte ma parcelle. Hein? J'ai dit que tu dois quitter ma parcelle maintenant. C'est qu'on n'a pas suffisamment couvert. Pars. Hein? Comme tu peux les voir, j'ai beaucoup de choses à réfléchir. Quitte ma maison. D'accord, je m'en vais. D'accord. C'est quoi cette information là? On est en train de discuter autre chose. Et voilà, tu me parles d'autre chose. Qui est là? Viens prendre ces colas. Et toi, arrête-toi. Tu vas. Mais c'est quoi les problèmes, hein? Rapidement, amenons-les rapidement. Oui, amenons-les rapidement. Et c'est fini. Rapidement. Fais vite. Hey Zedibia, dis-moi où est-ce que tu penses aller? Oja Dili. Agent du mal, reste loin de mon chemin. Tu ne peux pas arrêter ce qui a été destiné à être. Oja Dili, ce n'est pas aujourd'hui que je vais te le répéter. Tu n'es qu'un simple petit enfant. Écoute, tu ne connais rien concernant le destin. Je ne veux pas rester assis là. T'es regardé, toi et Ilodibé, cracher sur la mémoire de notre tradition. Si tu m'as frappé la fois passée, ce ne serait pas cette fois. Laisse-moi te dire,
Tu vas rester ici jusqu'à ce que Elodie B sera couronnée roi. Je t'invite à essayer. Tu n'as pas besoin de m'inviter parce que je suis ici pour te stopper. Oh go go go, je connais go, Jamini, oh Jamini go, oh Jamini connais go. Je pensais que tu étais vraiment aisé, moi. Bouge comme ça, je te verrai. Tu vas rester ici. Mais bouge. Hey, oh Jamiri, oh Jamo, oh Jamiri Biké, oh Jamiri, oh Jabiké, Kene Munafonami, Kreluga Gari Mama Dariye. Mes aimables anciens, Umono, en rapport avec notre tradition, Ezemo devrait être ici. Mais vu certaines circonstances qui ont pu lui arriver, il m'a envoyé un message me demandant de pouvoir annoncer que le prochain roi doit être Chief Elodie B. Et nous allons le couronner le prochain jour des Kéné. Le roi ah, mon fouet, ça... Le roi en devenir. L'idée de notre terre. Je réclame ce qui m'appartient parce que je ne suis pas privilégié financièrement. Je suis en train de perdre ce qui me revient des droits parce que la pauvreté est mon ami. L'idée de notre terre, je ne vous demande pas de vous battre pour moi. Je vous demande de vous battre et de protéger mon fils. Je veux qu'il soit tellement riche et qu'il grandisse dans la richesse. Jusqu'à tel point que personne ne prendra sa place dans ce village. L'idée de notre terre. Gardez mon fils en bonne santé. Et protégez-le lorsqu'il sera un grand homme. L'idée de notre terre. Ori, tu es mon témoin. Afro, tu es mon témoin. En quoi? Tu es mon témoin. Et que tu es mon témoin. Ah! Les dieux de notre terre, c'est dur pour moi. Vraiment très dur. Ah! Ah! Ma patrie! Ma patrie! Ma patrie, non! Mon cœur! Ma patrie! Ma patrie! Papa! 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 Papa est mort! Maman! Maman! Papa! 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 Maman! Non! Ça suffit, mon fils. Je suis là avec toi. Ça suffit. Essaye d'aller doucement. Onugo? Hein? Je sais que ça fait mal, mais ça va aller. As-tu creusé la tombe? Oui, mon prince. Tu dois maintenant prendre le corps. Rassure-toi qu'on ne dévaille pas. Ok? Oui, mon prince. Tu vois cette porte, derrière, c'est là, vas-y. D'accord mon prince.
fils. Père. Qu'est-ce qu'il y a? Papa Fred m'a attaqué. Fred m'a attaqué au portail. Tu veux dire que ces rats s'arrogent le droit de pouvoir t'attaquer? Le prince héritier. J'espère qu'il arrive à toucher à la queue du lion. Mon mari... Reste hors de cette affaire. C'est une affaire des hommes. Donc, tu me prends finalement pour rien du tout dans ces palais. Bien sûr que tu n'es rien. Papa, je vois. Comment peux-tu parler à ta femme de cette façon devant vos enfants, papa? Est-ce que tu as perdu ta tête? Tu l'as perdue? Père. Père. Nous devons finir cette histoire une fois pour toutes. Nous devons appeler Congo pour qu'il nous appuie. Pour en finir. Une fois pour toutes. Oui. Je vais appeler Congo. Maman, s'il te plaît, doucement. S'il te plaît, désolé. Tout va très bien se passer. Je ne veux plus qu'il se batte. Je ne veux pas que quelque chose de mal arrive à mon fils. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Je ne pense même plus parce que tout ne va pas bien. Il y a des gens qui meurent, il y a tant de mal. Maman, tu me brises le cœur, s'il te plaît. C'est bon. C'est fini, maman. Courage. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais m'enfuir? À qu'est-ce que je vais dire tout ce qui se passe? Nao. S'il te plaît, pouvons-nous aller ensemble, je t'en prie. Je veux rester, ne t'inquiète pas pour moi, tout ira mieux. Steve? Steve? Oui, boss. Tu peux aller accompagner maman. Sois prudent. Ok, boss. Allez-y. Ok, mon fils, au revoir. The leadership of my people. The sacredness of tradition, eh, for the peace of my people, for equity and justice, I will fight for the throne of my father, the throne of my father, I will fight, eh, I will fight for my birthright, eh, eh. I will fight. Yeah. Whoa. I... Mon prince. Mon prince. Peux-tu nous accorder une minute? Qu'est-ce qu'il y a? Où est Myriam, ta femme? Je t'ai demandé plusieurs fois. Tu me dis toujours, elle va bien, elle va bien, elle va bien. Oui, elle va bien. Alors, où est-elle? Ça fait 2 jours que je ne la vois pas. Myriam, c'est ma femme. Tu n'as pas à t'inquiéter pour elle. Bien, elle est aussi ma belle-sœur.
Je dois m'inquiéter pour elle. Ok. Elle était partie en ville très tôt matin. Sans pour autant m'informer. Elle m'a dit, parce que je suis son mari. Alors, va te marier. Ça t'apprendra à t'occuper de tes affaires. Hein? C'est à moi que tu dis ça? Allô? Oui, vas-y, parle. Ok. Merci pour l'information. Hé, hey, bloque ma porte. Doit s'être certainement caché quelque part. Cherchons-les rapidement. Nous devons nous séparer. Toi, va avec lui. Et toi, viens avec moi. Par ici, par ici, par ici. Ne me tire pas. Tu n'auras rien en me tuant. La ferme! Si tu dis encore un mot, je vais te faire exploser la cervelle. Ah merde! Regarde, je sais pas pourquoi je fais ceci. Je veux que tu partes très loin de cette communauté. Va très loin et ne reviens jamais! Et si je te vois retourner dans cette communauté, je ferai ce que j'étais supposé de faire. Merci. Arrête! Par là! Où est-il? Il nous a échappé. Quoi? Mon cher, tu es en train de me dire que tu l'as raté avec toutes ces balles. Oui, allons-y. Maman. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. La nouvelle qui circule, c'est que papa et Chooks ont kidnappé et tué la femme de Fred. Je ne comprends pas. Princesse. Je me retrouve moi-même dans une position inhabituelle, en sachant pas ce que tu me racontes. Ma chère, ton père est capable de faire ce genre de complot. Mon seul problème est de savoir comment ton frère a pu changer soudainement. Maman, tu m'as rappelé. Est-ce que Myriam t'avait dit qu'elle allait quitter ici? Oui, elle me l'avait dit. Cependant, je ne savais pas que ça devrait être un peu rapidement. J'étais vraiment surprise quand son mari m'a dit qu'elle était déjà partie en ville. Ah! Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part, maman!
Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce palais. Il y a un ça ne va pas. Comment est-ce que Miam peut partir sans pour autant t'informer ou moi? Comment ça? Je suis là pour chercher des réponses. Ah, mais personne ne répond aux questions. Comment je saurais? Maman, je suis vraiment inquiète. Et mon instinct me dit que papa avait pris le trône qui revenait au papa d'Alfred. Je cherche aussi à découvrir la raison pour cela et à faire retrouver une confirmation. Oborojago inyanya, oborojago inyanya. Oborojago inyanya, oborojago inyanya. Jago inyanya, oborojago inyanya, inyanya. Jago inyanya, oborojago inyanya. Aisez-moi. Mon fils, hein? Je t'ai cherché. Il y a le feu sur la montagne. Je sais. Je l'ai vu. Prends. Avale ça. Oborochako inyanya, oborochako inyanya. Oborochako inyanya. Oborochako inyanya, oborochako inyanya. Fred, Rick. Tu n'as pas seulement choisi la mauvaise bataille. Tu as aussi choisi de te battre contre des mauvaises personnes. Tu as choisi les mauvais camps. Je vais me battre contre toi. Je veux te trouver. Votre Altesse, je vous salue. Oh non. Oui, Votre Majesté. Je ne suis pas d'humeur à voir qui que ce soit. Je suis désolé, Votre Altesse. Je suis ici pour vous rappeler que ma loyauté pour vous ne peut jamais être défaite. Je serai de vos côtés dans les bons et les mauvais moments. Merci. Je dois partir. Oh non. Votre Altesse. Viens. Merci, Votre Altesse. Grand place. Oh non. Votre Altesse. Je ne suis pas un bon roi. Votre Altesse, dire que vous n'êtes pas le bon roi, c'est quelque chose de pas normal. Vous êtes le meilleur roi que jamais ce royaume ait connu. Oh non. Votre Altesse. Et pourquoi est-ce que le peuple ne se révolte pas contre cet homme qui veut détruire leur roi, leur meilleur roi? Pourquoi? Votre Altesse, essayez de vous apaiser. Juste, donnez-moi cette autorité de mobiliser les gens contre lui. C'est simple que ça. Oh non. Votre Altesse. Est-ce que tu peux faire ça? Bien sûr que oui, mon roi. Considérez que c'est fait. Oh non. Votre Altesse. Vous avez ma permission. Merci beaucoup. Considérez que c'est fait. Je vais le faire. Laissez-moi partir maintenant.
aussi l'intention de perdre ta vie? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir peur de toi ou de ton méchant maître? Hein? C'est ça? Rentre à la maison et dis-lui que la bataille est terminée. Et c'est la guerre qui est en train de venir vers lui. Très impressionnant. Maintenant, les choses vont changer. Je vais combattre à tes côtés. Tu veux combattre à mes côtés? Ouais. Pourquoi? Oui, c'est vrai que tu avais sauvé ma vie de l'autre côté. Mais je ne peux pas te faire confiance. Tu as raison de ne pas me faire confiance, mais dans l'avenir, tu le feras. Je ne sais pas pourquoi je t'ai sauvé la vie là-bas. J'ai réalisé que j'étais toujours dans les mauvais côtés dans cette histoire. Je fais partie du groupe des gangsters, nous sommes là pour obéir aux ordres. Mais maintenant, moi, Korodogo, je vais faire partie du bon côté. Dans cette guerre, tu as besoin d'une armée, ouais, d'une armée. Et si tu penses que le roi Ilodibé est mauvais, pense toujours parce qu'il est plus pire que ça, je te dis. Tu vois ta pensée, tu ne sais pas lui.
Hey, allons-y, allons-y. La princesse, la princesse. Hey, princesse. Princesse. Hey, princesse. Princesse. Par là, par là, par là, allons-y. Hey. 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 Nous sommes finis. Hey, on est dans un pétrin. Hey, on est dans un pétrin. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut pas retourner au palais sans la princesse avec nous. On fait quoi maintenant? Nous n'avons que des options. Si nous rentrons au palais sans la princesse, nous sommes morts. Si nous restons ici, les rois nous voient, on est morts. Qu'est-ce qu'on va faire, hein? Qu'est-ce qu'on va faire? La meilleure chose à faire est que nous devons chercher un sniper pour prendre le reste. Boum! Tu as raison. C'est exactement ce que nous allons faire. J'ai toujours raison. On doit juste nous créer un moyen pour qu'il nous laisse tranquille, hein? Mais je ne l'aimerai jamais dans ma vie, cette princesse. Jamais. Mon frère, je l'aimerai si jamais. Tu aimes la princesse ou pas, ça ne me concerne même pas. C'est pas mon problème. J'en ai rien à foutre. Moi, je ne suis pas prêt à mourir comme ça. Hein? Je te dis, je ne suis pas prêt pour ça. Je suis encore trop jeune. Non, je ne vais pas mourir. Mais, attends. Pourquoi la princesse a fait cela? Je ne sais pas. Je suis fini. Je suis fini. Nous ne pouvons plus retourner. Je suis fini. Je suis fini. Qu'on essaie juste d'être un peu patient. Peut-être elle rentrera. Tu crois ça? C'est la meilleure option. Je te dis, ce serait mieux qu'on puisse même boire quelque chose. C'est qui ça? Il y a une voiture dehors. C'est la princesse. La princesse? Faites l'entrée. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venue sympathiser avec toi pour la perte de ta femme. Pour la perte de qui? Sympathiser avec qui? Vous deux gens de sang! Vous avez tué ma femme! Et tu as le courage de venir ici te moquer de moi sous le prétexte que tu veux sympathiser avec moi. Sors de ma parcelle! Je dis sors de ma parcelle! J'étais choquée d'apprendre que c'est mon père qui était à la base de tout ça. Je suis venue juste sympathiser avec toi. Et je suis là pour te faire comprendre que je suis du camp de la vérité. Je ne joue pas à l'hypocrite. C'est la vérité. C'est tout ce que je peux te dire. Throne of my fathers, my throne and my birthright, the leadership of my people, the sacredness of tradition, hey. For the peace of my people, for equity and justice, I will fight for the throne of my father, the throne of my father, I will fight. Hey, I will fight for my birthright. Hey, I will fight. I will fight for my birthright. Hey, 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 yeah. Whoa.
yo. Hey. Aya hey yo. Enveloppe. Apporte-la à ton père immédiatement. D'accord, Votre Majesté. Il y a quelque chose de très important qu'il doit faire pour moi, alors sois très rapide. D'accord, Votre Majesté. Mais non, vas-y. C'est bon, merci. D'accord, tu veux. Prenons-le vite, 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 vite. Lâchez-moi, lâchez-moi, je refuse. Emmenons-le. La ferme. Vieillard. Espèce d'imbécile. La ferme. Sinon je vais te buter ta vie. Lord. Elle est là. Ouais. D'accord, boss. Chut. Arrange ton pied. Papa. Je suis désolé, mon filleux. Votre Altesse. Oh non. Quoi, Votre Altesse. Oh non, tu penses que tu es plus sage que moi? Tu veux être roi? Je n'ai aucun problème avec toi, encore moins de devenir roi. Mais mon problème est que tu veux que je meure pour que toi tu deviennes roi. Non, Votre Altesse, c'est la sorcellerie. Et tu as amené ta fille dans mon palais pour que tu sois en possession de toutes les informations de ce qui ne va pas là au palais. Pardonnez-moi, mon roi. Et tu pensais que je n'ai pas à le découvrir? Oh non, tu pensais vraiment que le roi n'allait pas le découvrir? Tu es laid. D'accord, mon roi. Alors, je ne vais pas vous tuer, d'accord? N'importe quoi. Monsieur Okeke, prenez place, prenez place. Merci. Alors, vous savez, je suis très content de vous voir aujourd'hui. Monsieur Okeke, nos anciens disent que on met les abois, on a gagné, gagné. Voilà, ciao, Loma. Monsieur, je veux vraiment te récompenser pour ceci. Pour m'avoir révélé le plan maléfique de défendre nous. Tu as bien fait. J'apprécie, Majesté. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Merci. Ichi Okeke. Igwe. Je veux faire cette déclaration. Agenouille-toi. Oui. De ce fait, tu seras nommé comme le Onowu de ce royaume. Viens. Lève-toi, lève-toi. Ah, Igwe. Alors, félicitations. Je vous remercie. Félicitations. Félicitations, tu as gagné. Igwe. Igwe.
Je ne pourrai jamais oublier ce que tu as fait. Bien sûr que oui, je sais, je sais. Nos ancêtres avaient raison quand ils disaient que on y est pas bolo megini. Hola cholo ma. C'est drôle. Igwe, j'ai apprécié. Merci beaucoup. Je sais. Demain, je vais informer à tous les membres du cabinet de cette décision. Hmm? Oui. Oh no. Ok, ok. Ah, ah, c'est vraiment drôle. Merci beaucoup. Ils seront vraiment surpris. Je sais, je sais. Maintenant, il faut parler. Pars, réjouis-toi de ton nouveau statut. Igwe! Demain, je vais leur montrer, c'est moi le nouveau No. Igwe! Igwe! Ah! Demain, je vais leur montrer. Vas-y, rejoue-toi. Rejoue-toi. Père, je vais voyager à Onugo pour l'anniversaire de mon ami. Je reviens demain. Non, fils, tu peux y rester aussi longtemps que tu le veux. Merci, père. Tu sais, la bataille est terminée. Père, je ne crois pas. Et pourquoi? Je ne crois plus que Fred reviendra dans cette communauté une fois de plus. Il n'y a rien d'autre qu'un faux qui puisse nous défier. Nous lui avons donné une très belle leçon. Laisse-moi te demander. A-t-il déjà enterré sa femme? Je n'ai aucune idée, mais je crois qu'elle a été enterrée dans l'une des cimetières de la ville. Alors cela paraît vrai. Alors cela paraît vrai. Écoute, s'il revient encore, si Fred ose de nous déranger encore, nous allons déterrer ses défunts parents une fois de plus. Et on va les envoyer dans la tombe encore, en les tuant bien sûr. Père, je pense que parfois ce n'est pas amusant. Peu importe. Je crois que tu as beaucoup fait confiance à ton homme, Congo. Et il t'a déçu. Non, je n'ai plus besoin de. Occupe-toi d'eux, d'accord? Occupe-toi d'eux. Très bien. Très bien. Je vais aller me préparer. Ok. Je suis vraiment choqué avec ce qui se passe dans cette communauté. Comment est-ce que Onou et sa fille peuvent mourir juste comme ça? Mon frère, c'est ce que je me demande. Mais qui peut faire tout ça? Mon frère, tu n'es pas dans ce village. Je pense que c'est le roi qui l'a fait. De quoi parles-tu? Écoute, écoute-moi très bien. Je n'ai rien dit de mal, je n'ai rien entendu de mal. Excuse-moi. Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Fred est de retour. Quoi? Je perds de la sorcellerie. Qu'il aille pour pouvoir se battre. C'est bon, merci pour le message. Je veux partir.
Tu oui, peux partir. Oui, merci. Père. Fils. Nous n'avions pas vu cela venir. Il n'y a rien à paniquer. Nous allons en finir aujourd'hui, une fois pour toutes. Throne and my betrayal, the leadership of my people, the sacred. Mon peuple, je vous salue. On vous salue aussi. Est-ce que ça va? Mao. Vous dormez? Pas du tout. Mon peuple, je vous salue. On vous salue aussi. Je vous remercie pour votre soutien immense. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Cette guerre est la nôtre. Oui, oh. Ilo Dibé doit partir de ses oui, trônes. Oui, oh. Qu'est-ce que je dis? Ilo Dibé doit partir de ses oui, trônes. Oui, oh. Aux côtés de meurtres commis pour accéder à ce trône, Ilo Dibé ne porte aucune qualité de leadership. Ilo Dibé avait tué ma femme. Hey. Tout ça au nom du pouvoir. Hey. 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 Et j'avais dit que je vais honorer ma femme avec une victoire. Oui, oh. C'est pourquoi je ne l'ai pas encore empêché. Tu as raison. Est-ce que Ilo Dibé est plus fort que nous tous ici? Non. Jamais. Est-ce que Ilo Dibé est plus fort que tout le membre de cette communauté? Non. Est-ce qu'Ilo Dibé est plus fort que tout le monde ici? Non. Et c'est pourquoi nous devons anéantir Ilo Dibé. Nous devons faire quoi? Faire partir Ilo Dibé. Nous devons faire partir Ilo Dibé. Merci. Ilo Dibé a apporté de la crainte, de la souffrance, de douleur sur cette terre, au peuple de cette communauté. Mais mon leadership sera totalement différent. J'apporterai de la joie. Je te crois. Je te crois aussi. Bravo. Ça, c'est vrai. Juste un petit geste d'amour de ma part. Je ferai certainement plus. Oui, oui, oui. Oui. Le monde, tu as raison, tu es notre roi. Yeah.
Je vous écoute. Oja Delinde, mon ennemi est revenu avec des pouvoirs spirituels. Je suis en train de perdre ma confiance et mon influence sur mon peuple. Je veux que tu fasses quelque chose vite. Je veux être fortifié encore plus. Mon roi, votre ennemi est entré dans une rivière qui ne peut pas nager. Dans très peu de temps, il sera noyé. Mon roi, faites-moi une faveur. À genoux. Deli, deli, deli. Deli, deli, deli. Manatiele, bugele. Manatiele, bugele. Manatiele, bugele. Manatiele, bugele. Hey. Ça c'est mon roi. Le prince lui-même. À genoux. Va leur montrer qui est le roi. Tout celui qui va refuser de respecter ou d'honorer ton trône, il faut lui montrer la terreur. Yese go et bubagou. Sème la terreur. Est-ce mon nom de Mike? Père, je pense que nous devons appliquer la compassion d'abord pour gagner les gens de notre côté. Comment allons-nous faire ça? Ok. Papa, regarde, il faut juste organiser une cérémonie. Donne ça à un homme. Que ce soit une rencontre où les gens vont venir se plaindre. Alors nous allons partager les cadeaux pour chacune des personnes qui sera là présent. Pourquoi nous devons faire cela? C'est pour planifier comment faire tomber Fred. Je pense qu'on va faire ça. Père, une autre chose. Je t'écoute. Ok. Que penses-tu faire de maman et de la princesse? Tu sais qu'elles ne sont pas de notre côté. Oh, les deux là. Oui. Bien, tu peux les enfermer quelque part. Tu peux les enfermer quelque part pendant que tout se passe. Papa, il va falloir que tu donnes les instructions aux gardes. Et tu sais que ma sœur est très intelligente. Je sais. Je sais quoi faire. Viens. Onye ke kulanyo, onye ya salamanyo. Yeah.
Tout le monde écoutez. Notre Igwe, le Saint Majesté, Igwe Cosmas Ilodibé. Il invite tout le monde pour une célébration dans son palais. Pour un jour très important. Si tu as écouté ma voix, dis à ton voisin. Si tu ne viens pas dans cette célébration, tu seras considéré comme un ennemi pour cette communauté. Grand peuple de Oumouze, écoutez, si vous écoutez ma voix, dis à ton voisin que notre Igwe, le Saint Majesté Igwe Cosmas Elodibé, il invite tout le monde dans son palais pour un jour important. Si tu ne viens pas, écoutez, si tu ne viens pas, si vous ne venez pas, vous serez considérés comme des ennemis pour cette communauté. On se fait comprendre. Oh, grand peuple de Oumouze, si tu es informé, dis à ton voisin. Grand peuple de Oumouze, écoutez ma voix. Notre Igwe, Igwe Cosmas, il invite tout le monde pour une invitation très spéciale. Et une célébration très spéciale. Si tu ne viens pas, tu seras considéré comme un ennemi pour cette communauté. Mon frère, informe ta femme. Grand peuple de Oumouze, écoutez cette annonce spéciale. Notre Igwe, le Saint Majesté, Son Excellence, Chief Cosmas Ilodibé, il invite tout le monde à une célébration très spéciale dans son palais pour un jour important. Si tu ne viens pas dans cette célébration, tu seras considéré comme un ennemi pour cette communauté. Si tu as écouté ma voix, informe les autres. Grand peuple de Oumouze, écoutez tout le monde. Notre Igwe, le Saint Majesté Igwe Cosmas Ilodibé, il invite tout le monde pour une célébration très spéciale dans son palais. Pour un jour très important, celui qui ne viendra pas sera considéré comme un ennemi pour cette communauté. Viens ici, toi lâche. Je t'appelle. Viens ici. Quelle est la signification de cette folie? Viens rendre hommage à ton nouveau roi. Sors de mon palais. Va-t'en. La dernière fois que j'étais venu te prévenir, je ne m'étais pas apprêté. Maintenant, les choses sont bien différentes. Une fois encore, je t'accorde 7 jours pour libérer ce trône. Tu sais ce que tu es? Tu es juste un bébé éléphant inconscient. C'est ce que tu es. Steve, dis à ce petit garçon, lorsque le vrai homme parle, le petit garçon reste à côté. Dis-le lui. Ouais, boss. Lorsque les hommes parlent, le petit garçon comme toi doit se taire. Fais attention, petit. Fais attention, petit. Va-t'en! C'est quoi le problème? Pourquoi ton figure est comme ça? C'est quoi le problème? Tu ne pars plus prendre l'habit que tu étais supposé de prendre? Mais c'est ce stupide de tailleur! Il m'a pas remis l'habit en question? Si seulement je t'avais écouté! Oh. Tu vois maintenant. Maintenant tu regrettes. Je tenais toujours à te dire que tu dois m'indiquer les gens que tu donnes tes histoires. Mais toi, tu ne veux pas m'écouter. Qui sait la manière dont ils ont utilisé ton habit, hein? Maintenant, dis-moi une chose. Es-tu sûr que tu vas vraiment répondre à l'invitation d'aller au palais? Quelle invitation? Au lieu que je participe à cette fête, je préfère aller dans le programme de charité de Fred. Ici, Okou,
C'est vrai ça? Hey! Moi, dans cette fête, que Dieu m'en épargne. Comment est-ce que je pourrais bien oublier cela? Hey, tu as vraiment bien fait. Papa, fils. Les gars ne sont pas encore rentrés. Bonjour mon roi, bonjour mon prince. Votre majesté, nous les avons cherchés partout mais on ne les a pas trouvés. Je crois que vous avez reçu mon instruction de ne pas les laisser sortir du palais. Oui, majesté. Ferme ta bouche. J'ai un grand problème dans ma propre maison maintenant. Et quand j'aurai mis fin à ce problème, alors je vous rendrai tous les comptes. Ôte-toi de ma vue. Oui, majesté. Père, qu'est-ce que nous allons faire? Ne t'en fais pas pour elle. On s'en occupera plus tard, pas maintenant. Père, nous ne devons sous-estimer personne, spécialement la princesse. Elle a l'impression de cacher quelque chose. Fils, une femme ne peut jamais être le roi de son royaume. Peu importe ce qu'elle soit en train de cacher maintenant, ça n'a aucune importance. Je te l'ai dit, ces gens sont maintenant là-bas. Juste là, dans le centre. Fred a rassemblé les gens dans les quatre coins du village. Cependant, ce qu'ils font là-bas maintenant, je ne comprends pas. Raison pour laquelle je demande à ce qu'on se rende là-bas immédiatement. Il est en train de les rassembler tous. Oh non, es-tu sûr de ce que tu es en train de me dire? Très sûr. Très sûr. Tu verras lorsqu'on arriverait là-bas. Toute la place était remplie de gens. Lorsque je l'ai vu, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe ici? Fallait le voir distribuer l'argent à tout le monde. Il fallait voir la sécurité qui l'accompagnait. Tu ne croiras pas à tes yeux. Raison pour laquelle j'ai demandé à ce qu'on parte là-bas maintenant. Comme ça, on pourra arrêter cette situation. On va les avoir. Rapidement, mon fils. Rapidement. Fais vite. Fred est en train de me chercher. Fred est en train de toucher à la queue du lion. Il va mordre la poussière. Peux-tu l'imaginer? Il est en train de toucher à la queue du lion. Ah, Fred. Fred me cherche. Tu dois faire quelque chose pour arrêter cela. Rapidement, fils. Oui, oui. Quand le chat n'est pas là, la souris danse. On est sur le boulot, on est sur le boulot, on est sur le boulot. On est sur le boulot, on est sur le boulot. On est sur le boulot. Hey, va leur montrer qui je suis. Je suis Ojaneli Kalamono Kalamou. Oui. Oui. Je suis Oja Deli. Aucun mortel ne peut résister à mon pouvoir. Oja Deli, Oja Deli, thank you.
Oui. Ceux qui se croyaient être forts sont maintenant frappés par un petit. Ils se pensaient détenir le pouvoir qu'en réalité ils avaient volé. Et maintenant le propriétaire se retrouve en train de retrouver son pouvoir. Voilà maintenant. Les dieux de notre terre, le temps est arrivé. Le temps de la bataille est arrivé. Nous sommes prêts. Suivez-nous, conduisez-nous et accordez-nous la victoire aujourd'hui. Voilà maintenant. La bataille commence. Princesse, tu as trahi ton père. Tu vas payer pour tous tes péchés, papa. Tu as fait beaucoup de mal. Comment pouvais-tu être très méchant? Comment ça? Officier, elle est ma fille. Elle est malade. Elle souffre de plusieurs illusions. Ne prenez pas en compte ce qu'elle est en train de dire. D'accord, arrête-les. Bougez. Non mais, officier, écoutez. J'écoutais, j'essaie de vous expliquer des choses. Mets en l'air.
Déposez votre arme. Déposez-la. Déposez votre arme. Déposez. Papa. 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 Papa, c'est de lui. Papa. Est, viens ici. Viens avec nous. Qui es-tu? Pourquoi vais-je venir avec toi? Viens avec nous, mec. C'est quoi ton problème? Hé, hey, toi, arrête ça là. La seule question qu'on est permis de te demander, c'est quoi ton travail et comment tu le fais. Tu me suis, hein? Ouais, ce n'est rien d'anormal. Mon gars, montre-lui la chose. Écoutez, je ne vous connais pas. Arrêtez-moi toutes ces bêtises. Je ne suis pas en humeur pour ça. Hé, hey, toi, putain! Tu penses que moi je suis bien avec toi? Je te dis, fais ce que je te demande rapidement. On ne s'amuse pas là. Ne viens avec toi. Moi, mec. Tu blagues avec moi? Tu penses qu'on joue avec toi? Tu blagues avec moi? Bouge ton cul, mec. Bouge ton cul. Rapidement. Ouais. Prince, hey, les princes. Mais gars, qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Rien de grave, je te dis, rien de grave. Avec nous, ça baigne. Non, il n'y a pas de problème, oh. C'est ouais, notre tout, mec, on tout discute c'est normal, ça. Mon gars. Normal. Qui est votre ami? Je ne connais pas ces gens, ils voulaient me forcer d'aller quelque part où je ne connais même pas. Ah ah, mais pourquoi? Prince, tu sais comme des gangs sont, tu sais comme des gangs sont. C'est quoi ce comportement, hein? Cet homme, c'est un parfait gentleman. Laissez-les tranquille. Ah. Laissez-les. Prince, c'est à cause de vous, hein? Wow, c'est wow. À cause de vous, tu sais comment est-ce qu'on fait les choses? Tu sais comment un peu? Mon cher, monte dans la voiture. Oh! Mon cher, comment vas-tu? Oui, je vais bien. Désolé, je m'appelle Jux. Je viens de Riften. C'est vrai? Oui, mon père est un roi. Il s'appelle Elodie B. Waouh. C'est bien. Mais le monde n'est pas aussi grand que nous le pensons. Pourquoi tu dis ça? Mon nom est Fred et je suis aussi de ce village. Waouh! Donc tu es mon frère. Ah, waouh! Content de te rencontrer. C'est bien ça. Content de te rencontrer. Alors, où vas-tu? Au vrai, j'étais en train de me rendre juste au coin, essayer de me prendre quelque chose avant que tes amis ne viennent. Ok. Pour m'arrêter. Maintenant, tu es mon ami. Et on me respecte beaucoup, cet endroit oh, ici. Vraiment? Ok, je comprends. Ils m'accordent le respect. Ok. Tout ce que je demande, ils le font. D'accord. En tout cas, je suis content. D'accord. Enchanté. Merci d'avoir fait tout pour moi. Bonjour. Bébé, tu vas bien? Honnêtement, je ne sais pas. Cela veut dire que tu ne vas pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis réveillé avec ces pressentiments étranges. Un pressentiment étrange? Oh oui, ces pressentiments étranges. Je commence à beaucoup réfléchir concernant ces festivals. Oui, et ce que j'ai remarqué après, c'est que j'ai continué à réfléchir sur le cauchemar que j'avais fait. As-tu prié pour ça? Oui, j'avais prié. J'avais adressé une prière. Depuis là, je n'ai pas pu être en humeur d'essayer de me débarrasser de ça. Nous devrions normalement rester. Bébé, si tu veux changer tes pensées, je ne refuserai pas. Parce que je n'ai jamais voulu que tu sois là. Mais avant de le faire, rappelle-toi que le prince Chuka et sa femme ne seront pas contents de toi. Je suis confus.
Bébé, j'espère que tu m'as très bien compris. Tout va très bien s'arranger. D'accord, bébé. Mon amour. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu n'es pas un bon menteur. Tu es timide depuis qu'on a quitté le palais. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose concernant le roi. Bien, je n'arrive pas à saisir ce que c'est exactement. Mais il y a quelque chose. Quelque chose comme quoi? Tu connais ces regards. Lorsque les gens te regardent et qu'ils sont en train de te cacher quelque chose. Je l'ai clairement vu dans ces regards. Le festival ne va pas du tout traîner, chérie. Et le jour après demain, nous allons rentrer en ville. Alors tu n'as pas à t'inquiéter de la manière dont le roi te regardait. Tu n'as rien à voir avec lui. Oui. Je pense que tu as raison. Tu vois, je sais exactement pourquoi je t'aime. Tu es intelligente, très très intelligente. Et je t'aime plus. Maintenant, c'est le temps de nous rafraîchir. Allez, viens ici. Selon les traditions de notre terre, vous devez vous marier avant d'être couronné roi. J'étais marié. C'est juste que je viens de perdre ma femme. Nous comprenons ce dont vous parlez. Mais votre femme doit être présente le jour de votre couronnement. Elle doit être présente pour qu'elle soit couronnée ensemble avec vos reines de cette terre. Donc vous devez vous trouver une autre femme. Bien. Ma femme est morte. Au cas où vous ne le savez pas. Son cadavre est encore à la morgue. Ça fait presque 3 mois depuis qu'elle est morte. Pour que je me remarie, il faudrait que je fasse le deuil de ma femme pendant au moins 1 année. Voilà un peu. Et si cela sera un problème au regard de la tradition, je suggère que le trône soit confié à la prochaine famille sur la ligne de succession. Je l'ai dit avec un cœur pur. Oui, nous devons consulter le Ezemo pour ce problème. Je t'abandonne pour du bon au royaume de Mosée.
madame, est-ce que ça va? Conduis seulement. Je suis désolé. Les anciens de notre terre, à moins qu'ils ne meurent, ils restent notre roi. Mais mes grands prêtres. Il a dit qu'il ne se mariera pas, à moins que ce ne soit après une année. Alors, le trône doit attendre jusqu'à ce qu'il se marie. S'il vous plaît, asseyez-vous. Merci. Vous êtes le bienvenu. Ok, je pense que ce sont les habits qui t'ont attiré. Oh oui, j'étais juste dans les parages. J'étais venu voir un ami dans son shop qui est non loin du tien. Alors je me suis décidé de m'arrêter ici et de voir comment se porte la princesse. Arrêtez ça, vous savez que je ne suis plus la princesse. Pourquoi continuez-vous à m'appeler princesse? Ok, c'est de la vieille histoire. Alors, comment vas-tu? Comment ça se passe? Oui, je suis tellement bien. Les affaires vont tellement bien, par la grâce de Dieu. Oui, d'accord. Ok, que je ne prenne pas assez de ton temps. Je crois que tu es une femme vraiment occupée à faire de l'argent. mais avant que je ne parte, s'il okay. te plaît. Que dis-tu d'une sortie de ce week-end? S'il te plaît. Fred, non. Je ne crois pas. Juste un dernier. Et après ça, nous ne le ferons plus. D'accord? Ok. Et samedi? C'est bien, merci. L'heure? 20, 21h? Quand ça? 14h. 14h. Un dîner. Merci. Ok. Je dois partir. Vous partez déjà? Merci. Ok. Je m'en vais. Je vous écoute. Ok. Comme tu le sais, je serai bientôt couronné. Alors, je suis en train de constituer mon équipe de gens d'esprit ouvert, intelligents, très très alors, dévoués, qui travaillent très dur et qui aiment notre royaume. Et qui sont prêts pour travailler pour faire de notre royaume meilleur. Oui, je constitue une équipe de gens pareils. Je te considère en effet comme faisant partie. Moi? Toi? Ok, mais je ne sais vraiment pas trop à propos de notre tradition. Mais ce que je sais est que la femme n'a pas une place au pouvoir dans notre tradition. Bien, je comprends. Tu dis tout ceci parce que ça a été comme ça depuis un moment. Mais dans ma propre manière de leadership, nous allons certainement le remplacer. Très intéressant. Alors apprenez-moi. D'accord. À chaque fois que tu vois un roi, un vrai roi, qui possède de la connaissance, la sagesse, les qualités du leadership et la crainte de Dieu en lui. Regarde attentivement. Tu remarqueras qu'il y aura certainement une dame qui sera derrière cette mère pour apaiser le zoo. Une femme. Allô? Salut Fred. Je vais bien, merci.
Fred, je voulais vous demander une faveur. Amenez-moi à l'hôtel. Au regard des portes étendards du royaume d'Umwezi, et selon nos coutumes et nos traditions, ce n'est que l'héritier qui succède au trône. Un très grand bénéfice sera offert aux dieux si aussi leur tâche cédée, c'est de protéger ce qu'ils veulent. Rien ne remplace l'expérience. La seule manière de voir la raison comme la raison, c'est de réfléchir raisonnablement. Les dieux sont sages. Par le pouvoir qui m'est conféré, comme le Eusémo de ce royaume, je viens en ce moment te couronner au Tchaïa 1 du royaume d'Umwezi. Femme de preuve. Il y a un dicton qui dit: derrière chaque grand homme se cache une grande dame. Par le pouvoir qui m'est conféré, comme le Ezemo du royaume d'Umwezi, je viens te couronner en ce moment reine Adankibia Idizizi du royaume d'Umwezi. Votre Majesté, pouvons-nous maintenant sortir et continuer cette célébration? Exactement. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Hey. Hey, hey, hey. My throne and my betrayal, the leadership of my people, the sacredness of tradition, hey, for the peace of my people, for equity and justice, I will fight for the throne of my father, the throne of my father, I will fight. Sorry. Hey. I will fight for
avec moi.